Bonsoir à tous. Eh, c'est bon, cette fois on nous entend. Ouais. Ah. Merci Maca. Non, Ah. mais j'ai regardé le retour. Et effectivement, on nous entendait pas. Et oui, et c'est de ma faute. Parce qu'en fait, on a deux options à activer. Mais bon, bref. Et du coup, bah bonsoir à tous. On se retrouve pour la deuxième course du groupe 2 à Jeddah en Arabie Saoudite. Et je suis avec Ultimate Ayrton pour m'accompagner pour cette belle soirée avec le groupe 2. Salut à tous et salut à toutes, hein. Il y Ouais. a peut-être des filles qui nous regardent, je sais pas. Ah, j'espère, ouais. De temps en temps, il y en a quelques-unes qui viennent supporter les pilotes. Donc salut à toutes, Voilà, on sait prioritairement. jamais. Et bah, du coup, re-salut, hein, Ayrton, parce que on s'est fait une petite salut. présentation pendant 1 minute dans le Oui, vide. ouais. Super. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas bien grave. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, oui, bah, tu expliquais pourquoi nous sommes ce soir avec des livrets Oui, multijoueurs. j'expliquais parce que si des gens regardent cette vidéo et qu'ils sont pas au courant, il y a eu une mise à jour hier ou avant-hier, je crois, sur la F1. Hier. Et depuis cette mise à jour, il y a des problèmes avec les voitures officielles. Il y a des grosses différences de performance à ce qui paraît. Moi, j'ai pas testé, mais donc obligé ce soir de prendre pour la première fois les voitures multijoueurs. Eh oui, c'est un peu triste, un peu décevant, mais c'est comme ça. C'était ça ou rien, quoi. Eh oui. Donc les pilotes rouleront avec leur voiture personnalisée, donc ils ont fait des peintures à leur guise, en respectant la couleur principale quand même de leur écurie normale, on va Officiel, dire, ouais. officielle. Et donc on va voir si les pilotes ont eu du goût pour faire leur fameuse peinture. Eh oui. Et du coup, on nous dit que ta voix est un peu faible. Si tu peux essayer D'accord, de ok, je vais aller régler d'augmenter. ça, ok. On a déjà quelques chronos là qui viennent de s'afficher. Donc Paulhame qui a affiché un 1:28,8, c'est déjà pas mal hein, pour un premier tour de chrono. Lucky Luciano derrière à 2 secondes pour le moment à peu près. Donc je pense qu'il y en a qui se rôdent encore. Là on est en train de suivre Charvik qui est en tour lancé. J'ai pas regardé les chronos. Donc, je peux pas comparer mais de toute manière on va switcher un petit peu sur toutes les livrées. Là j'imagine que Charvik il a une livrée orange donc il a été chez McLaren. Du coup je vais prendre ma fiche. Je vais vérifier ça. Alors j'ai monté le son de mon micro, vous me direz si c'est mieux ou trop fort ou je sais pas. Alors c'est peut-être la répartition avec moi aussi qui pose problème parce que le commentateur secondaire Ah ouais? a toujours un son un peu plus faible par rapport au commentateur principal. Bon, si quelqu'un peut nous tenir informés dans le chat ou je sais pas trop comment, voir si le son est bon, le son des moteurs et le son des voix, si ça va ou pas. Je peux peut-être essayer. Ouais, je vais essayer un truc. Si je Alors que peux pour augmenter ton l'instant, micro là, je sais pas si ça va avoir un impact. ah, Essaye de tu parler peux là. faire ça? Mais moi c'est dans la partie vocale pour moi, mais je sais pas si ça se D'accord. répercute dans. Attends, je vais Bien, regarder. pour l'instant, on a Paulhame qui a fait le meilleur temps, hein, en une 28,9, je crois, ou 28,8. Vu que c'est en violet, en fait, on a un peu de mal à le lire ce chrono. 29,8, je crois. 29,8. Paulhame, meilleur temps pour l'instant, il reste 12 minutes. Et je vois que les pilotes ont fait des jolies couleurs sur leur voiture quand même. Ouais. Alors du coup, parce que là je suis resté assez immobile sur les mêmes pilotes, donc je vais switch un peu. C'est le temps de faire Oui. tous les paramètres. Si tu vois un pilote qui commence un tour lancé ou qui est en plein tour lancé et qui va le finir, t'hésites pas, tu me préviens, puis moi D'accord, j'en direct ai je vais. qui sont en tour de sortie déjà là. Ouais, il y en a pas mal en tour de sortie, t'as la moitié du plateau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Pancho il est en tour de sortie, il a une belle. Bah c'est une livrée, ouais c'est la livrée de base noire et jaune. Pancho il est chez Mercedes, donc j'avais demandé une livrée noire. Donc le principal c'est la noire, donc c'est ok. Il a juste rajouté un peu de jaune, enfin il a choisi cette livrée là en jaune du coup avec. Là, on a Falco qui est dans un tour rapide dans le dernier secteur. Ouais, bah écoute, on va aller sur Par lui. contre, il est en médium, hein. Ça, c'est à préciser quand même. Ah. On va voir ce que donne le chrono. J'ai pas fait attention au deuxième temps Non, intermédiaire. il a 1 seconde de retard. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je pense qu'il va au stand de toute façon. Ouais. Oui, il va au stand. Il finit pas son 4 tour. secondes là. On a JB qui est en tour, mais on va plutôt privilégier ceux qui ont pas de chrono. Oui, Il y a d'accord. Stupéfiant là qui est lancé. Stupéfiant, il est où? Il est dans le premier secteur, donc doit probablement y avoir. Il y a Pancho qui est un peu plus loin et Robbie One qui est juste devant lui.
Donc on peut faire Obi-Wan, Pancho et ensuite Stupéfiant. Là, je 2-9 suis sur secteur en Pancho dans le 2-2. secteur 2. Ouais. 1.9. 1.09? Ah bah c'est trop tard alors. Parce que Obi-Wan, juste devant lui, était en 1.02. Il a Il y a un dissipé. drapeau jaune dans le secteur 2 déjà. Ah, je vais suivre la fin du tour de Obi-Wan. Ouais. Il s'élance pour la dernière ligne droite. Ah, ça va être une 30, ça, non? Ouais, probablement, ouais. Ah, 29, une 30. 30, Une ouais. 30.2. Bien vu. Deuxième temps. On va aller sur Stupéfiant qui arrive. 29 aussi, 30, ouais, 31. Une C'est un peu loin. 31.7. Un petit peu loin. Tiens, il y a Coffer là qui est en tour lancé qui a pas de chrono encore. Ah. On va les suivre avec sa belle livrée rouge Ah, elle et a fait une jaune. jolie voiture, Coffer, hein. Ouais. Ah, il s'est embêté là cet après-midi avec Titi à faire une belle livrée. Donc normalement les deux ont la même livrée. Avec des sponsors de partout là. Ouais. Ils ont mis le petit jaune doré. Ouais. C'est très sympa. Alors le temps intermédiaire, une Ouais. 3.3, je 0,3. pense que ce sera loin, hein. Je pense pas que ce soit très Ouais. bien. Si tu peux regarder le premier ou même le deuxième en le secteur 2, ils sont à combien à peu près? Ah mais tu vas pas avoir le chrono en Directeur de fait. Tu vas voir course. le secteur en fait. Je sais pas, faut que je regarde, Alors, attends. Pour l'âme, voir les temps autour. Ah ouais, non, j'ai que la durée du Ouais, secteur, c'est quoi, ça. tu Ouais. vois. Ouais, non, donc. Salut Choupinetto. Bienvenue à toi. Et j'ai pas vu le chrono, ouais, coffre, c'est une 32.1. Ouais, donc c'était vraiment. Bah, du coup, stupéfiant, là, il est en amélioration de plus d'une seconde. À mon avis, Et il a dû Pancho a taper fait le sur deuxième temps, deux. hein. Ouais, bien vu. Ouais, ça se rapproche, là. Alors, Milané qui est, je pense, rapide et dans un tour lancé. Ouais, là, on est avec stupéfiant, il est dans le dernier virage. D'accord. Et après, c'est Milané, tu m'as dit? Ouais, il y a Milané, ouais, mais il y a Kofler aussi. Coffer, il est là. Non, non, Kofler, non. Ah, ouais, Oh, pas je mal, sais hein! pas. Deuxième chrono là pour Stupéfiant, une Ah, 29.4. joli, Ouais, joli, joli. pas mal. On va aller voir Milané du coup. Ouais, je vais suivre la fin de Ah, son tour à une. Milané. Ouais. 1.9. Ouais. Je pense qu'il va être dans le top 3, je pense. Belle livrée aussi, hein, Milané. Ouais, bah ouais. J'ai fait à peu près cette couleur-là pour la Williams, moi. Ouais. Bleu comme ça, ouais. Alors, ça va nous donner quoi? 1.30. Ouais. Bien vu, hein. 30 piles. 1.30-0. Il y a du flair, hein. On peut aller Ouais. jeter un coup d'œil sur Maka et Gigabs. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Alors, il est là et Maka en tour annulé. Donc, on va aller sur Gigabs. Ouais, bah moi je regarde aussi un peu ce que font Ouais. les autres. Là, je sais qu'il y a Falco qui va s'élancer bientôt. Ok. Il y a Lucky Luciano aussi qui a le 8e temps, 1.30.7. Inco est pas sorti encore, je suis assez surpris. C'est vrai qu'à préciser, il est malade ce soir, Inco. Il n'avait pas la grande Convalescence. forme tout à l'heure, hein, donc il va faire ce qu'il peut, mais il n'est pas très optimiste pour la soirée, Inco. Après, il va faire ce qu'il peut, et puis s'il doit arrêter, bah, il arrêtera au stand. Hein. C'est pas grave, c'est déjà bien d'être venu pour participer à la course. Ça va être un petit peu Ah long là pour Gigabs. ouais, et Makarov, il a la livrée Williams, hein. Il l'a. Oui, il l'avait récupéré tout à Ah l'heure, oui. Ouais. La magnifique livrée de Williams. ouais. Oh, il est en tour annulé, Makarov, Ouais, ça fait deux tours là qu'il. Peut-être qu'il s'entraîne. Peut-être je qu'il y a sais du pas, mais il est en train de carburant. cramer ses pneus là, Makarov. Ouais, bah je sais pas. Est-ce Allez, que il tu s'élance. vois. Ouais, bah écoute, c'est quoi, on va le suivre. C'est le seul à pas avoir de chrono. Si tu vois un pilote qui Oui, pourrait améliorer. je zappe pas mal pour voir où Ouais. en sont les gars. Pancho dans un tour de sortie. Milané était ressorti, mais il rentre au stand, il a dû se Aïe rater. aïe aïe, ça tape pour Maka. Aïe aïe Ah là, aïe. faut vite rentrer au stand et puis mettre une nouvelle gomme. Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait alors. suivre? Titi, il a fait une 31.7. Il va sûrement Ouais. ressortir. Il reste 5 minutes, hein. Il y a encore un peu de temps. Est-ce Je pense qu'il que Lucky faut. Luciano il est en tour là? Il a 4 dixièmes d'avance, tiens. On va aller le suivre. Ouais. Dans le premier secteur en plus, hein. Donc ça promet un bon chrono.
Allez, Lucky, mets le DRS. Là. Alors, le deuxième temps intermédiaire. S'il est dans le 1-1, c'est bon. Non, là, ah, pas mal, pas mal. 1-1.7. Ouais. Là, il est bien, Lucky Luciano. Là, ça va nous faire du 1-29.8. Allez. On espère. Allez, il accélère à fond. C'est pas loin. Une 29-4. 29-4, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Très très proche de stupéfiant. Hein. Ouais. Les chronos sont assez resserrés devant, dis donc. Oui. Falco vient de se lancer. Tiens, on a Pancho là qui retente. Ouais. Il avait de l'avance. J'ai vu, il était dans violet dans le premier secteur. Sa livrée est jolie hein, aussi à lui, hein, un peu ouais. Noir. Et après, c'est dommage qu'il n'ait pas préparé sa propre livrée. Ça, c'est une livrée en fait qui est déjà dans le, de base dans le jeu. Ah oui, d'accord. Alors, toi, tu es sur Pancho là ? Oui, parce qu'il était en violet dans le premier secteur. Donc, je vais voir. Regarde okay. Là, il est en 1.1.1. Oh là ! Alors, j'ai pas fait gaffe si c'était 8 dixièmes d'avance ou 0.45. Moi, je suis sur Falco. On va voir, il va arriver dans le dernier virage. Falco en 1.5 au secteur 2. Ok. Donc il fera mieux que Lucky Luciano. C'est pas mal là, oui, c'est la proposition. Pancho, bravo Pancho. Ouais, une 28.6. On va aller vite ah, sur il a Falco. Coupé son effort, Falco. Il a coupé son effort à ah, l'instant. Ok, je sais donc pas on pourquoi, pourrait hein. Aller sur... Polam aussi. Ah non, Polam, il a une seconde de retard. On a Lucky Luciano, non il est pas dans un tour rapide. Donc là c'est fini pour lui. Stomy, on va voir s'il est en avance. Bah non, il vient de lancer son tour. Il a deuxième, voilà. Deux dixièmes d'avance dans le premier secteur. On pourra revenir. Sinon, on a plusieurs pilotes en tour de sortie. Hein. On approche ouais. De la fin des qualifs, là les gars ils vont sortir. On a JB là qui est dans le deuxième secteur. Je pourrais après aller sur Stomy. C'est un peu loin, il pourrait éventuellement améliorer et se rapprocher du top 5. Il y a Dédé qui s'élance à l'instant. Ouais, et JB qui a 6 dixièmes d'avance. Ah ah. Oh Dédé, il a freiné tard. Oh là là, t'as freiné trop tard Dédé. Ah. Il est très technique ce circuit, hein. Surtout oui. Le secteur 1. Hein. Il est bien, ouais, franchement c'est un circuit que l'on aime tous, je pense. Ouais, le secteur sympa. 1, il est vachement technique, le secteur 1. Et ça améliore très légèrement pour JB qui se positionne en 10ème position. Mm-hmm. Et c'est qui ? C'est Stomy là qui vient de monter, je crois. Oui, c'est Stomy ouais, qui vient de passer la ligne. Ouais. Tommy P7. Ah, c'est 7ème, ouais. Pas mal. On a Milané qui va se relancer bientôt. Ouais, je vais essayer de choper quelqu'un qui est en tour lancé actuellement. Ouais, parce que là, les 5 premiers sont au stand, donc c'est fini pour eux. Ouais. Titi, tiens, on l'a pas vu Titi. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer ? Il est en violet dans le premier secteur, Titi. Ah ah ! Est-ce qu'il nous cacherait quelque chose, notre Titi ? Allez, Titi, fais-nous rêver ! C'est propre. C'est tellement casse-gueule aussi ce circuit. Allez, on va se mettre en board. Magnifique voiture à Titi. Ouais. Ah, presque 2 dixièmes d'avance. C'est un peu loin, mais il est en avance de 2 dixièmes. Ouais. Donc il pourra améliorer son chrono et pourquoi pas voler 2-3 places. Peut-être à DD, parce qu'il est 2 dixièmes devant. On a des pilotes dans les 5 premiers qui sont en tour de sortie. Hein. Je m'étais trompé, ils ouais. Ont le temps de ressortir en fait. Ouais. Et après, on va switcher sur un coup alors. 12ème ouais. Place pour Titi, 1.31.6. Inco, il en est où Inco ? Il est en tour rapide ? Ouais, non. Il est en tour rapide. Non, non, il a son ERS à 100%. Ah. Bah ouais. Bah ouais, pourtant il attaque. Ou c'est un bug d'affichage, je sais pas. Attends, non, non, il est en tour de sortie, il est en tour de sortie, je pense. Non, non, c'est pas indiqué tour de sortie, justement. Bah c'est bizarre, c'est un bug. Ou alors il a oublié de déclencher le ERS. C'est peut-être ça. Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'il a mis du carburant oui. Pour deux tours.
Non, non, là, il était en tour de sortie. Là, il a. Ah, Son mais... ERS, il se vide, là, ça y est. Tu vois, il a fait une 41, ouais, je sais pas, c'est Ouais. bizarre. Bon, bah Allez, écoute, un ouais. coup. Ah, et Falco qui a dû cracher ou abandonner, j'ai pas fait attention. Je Ah, il a vois dû que cracher parce qu'il y a un drapeau jaune. Ouais, il a Makarov craché a la fait un droite. chrono. Ouh Ah, là, Titi, il attention. a craché. C'est Titi qui a craché. Ah, Titi aussi il a craché. Ouais, je Il sais y en a deux pas, qui ont craché. il y a Falco et Titi alors. Ah, je sais pas. Il y en a un des deux qui a abandonné au stand, je sais pas. Bon, apparemment, il avait été gêné, hein, quoi. C'est pour ça que Oui, il avait il me arrêté. semblait aussi, oui. Voilà. Ouais. Donc là, il a 2 secondes d'avance Bon, le sur chrono est Chrono. fini, de toute façon. Faut surveiller Paula, hein, parce qu'il va peut-être Il est essayer en d'aller tour, hein. chercher la pole. Ouais. Il se trouve où dans le Secteur 2. secteur 2 et nous on entre dans le secteur 2 avec. Ah non, non, laisse tomber, il est en tour annulé. Ah ok, bon bah. On va poursuivre avec un co parce que c'est le dernier dans le classement. Oui. Donc on va voir où est-ce qu'il pourrait aller. Et là c'est déjà un peu lent là. Hein. Une 3,6 dans le deuxième secteur, malheureusement ça va pas aller très très haut. Oula, alors je te coupe. Oui. Il y a Stupéfiant qui a 5 dixièmes d'avance au secteur 2. Allez, on va y aller. Stupéfiant, il Stupéfiant. est parti pour faire un méchant chrono là. Pareil, ce dernier virage, faut bien ressortir. Allez, ça va nous faire quoi? Une 28? Une Une 28-6, ça 26, ouais, bien joué. joli! Pole provisoire, on va Ah, retourner ça sur. c'est Attends. beau, hein. Polam, c'est fini et je vais retourner vite fait sur. Ah bah non, un co, c'est bon. Et il reste Un que co, ouais, Makarov, hein. malheureusement. Bah, c'est fini en fait. Non, il y a Maka et puis Charvik. Charvik, il a un peu d'avance. Il est ralenti. Ah, mais Maka, il est au ralenti là. Ouais, ils sont tous les deux côte à côte, ouais. Et oui, non, pour un co, malheureusement, il avait trop de retard, donc. Ah, c'est fini. Ouais. Et Charvik, il a pas réussi à faire un. Par contre, il a une belle voiture aussi, Charvik, hein, dis donc. Charvik, Ouais. oui, c'est la McLaren. Elle est belle, hein. Ouais, très joli. Ouais. Alors, j'aimerais savoir si Titi a craché ou si Falco a craché. Je sais pas pourquoi. Alors, Falco il a craché, parce qu'on l'a vu dans le live, il Ah. était dans le premier secteur dans le mur. Ah Et merde, ensuite, tu ok. m'as dit Titi avait craché, du coup, ben je sais pas. Ben, Est-ce qu'il je aurait sais pas si abandonné? Titi a craché ou est-ce qu'il a abandonné, je sais pas. Ouais, bon, peu importe. En tout cas, t'as vu là les écarts en première ligne. Très 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 faible. Hein. Ouais. Une 28-677 pour une 28-684. Ouais, Ça c'est fait très 7 très proche millièmes là. ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça promet une belle 7 course en millièmes, piste. ouais. On va se régaler. Logiquement, il devrait pas pleuvoir. Donc Ouais, je pense pas. on est à Jeddah, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Donc Espérons-le, pole position pour Stupéfiant. À 7 millièmes d'avance hein, sur Pancho, c'était vraiment très très ouais. proche. Énorme, Ouais. énorme. Pancho 2, donc 3ème Robiwan aussi qui a fait un très bon chrono. 4ème Polam, 5ème Lucky Luciano, 6ème Milanais, 7ème GR Falco, 8ème Stomy. Stomy aussi qui a fait un bon petit chrono. Hein. Ouais. Crazy TTX 9ème, 10ème Gigabs, 11ème Koffer, 12ème JB, 13 Makarov, 14 Dédé, 15 Titi, 16 Inco et 17 Charvik. Charvik qui apparemment aurait été gêné. Oui, c'est possible. Ça peut arriver hein, quand on est nombreux sur un circuit comme Ouais. ça. Faut faire gaffe au trafic. Et il suffit qu'il y ait une voiture. Même si elle est à 100 mètres devant toi, ça peut te gêner visuellement. Tu sais, ça peut te gêner un peu lors d'un freinage, d'une trajectoire. On est vite gêné. Hein. Mais bon, c'est ça hein, quand on est nombreux en piste. Après, il sera intéressant de voir. Quelle stratégie les pilotes vont choisir? Alors, est-ce que moi je m'imagine que beaucoup vont partir en médium, mais peut-être que certains vont tenter les hard, comme moi j'ai fait d'ailleurs, et peut-être que d'autres vont même tenter un premier run très agressif en mettant les softs. Ça peut Faut voir, fonctionner ouais. aussi. Ouais. Alors il y a Maka qui nous fait une petite blague, j'imagine. Plus forte. Quel marrant, il est marrant Makarov quand même, C'est un hein. Hein? comique. Ma carotte. Mais il serait pas en train de sourire comme ça alors qu'il roule, donc je pense que ça ferait un petit peu chier. Après, j'espère qu'on va avoir un maximum de personnes jusqu'au bout. J'ai mis les goodies. Ouais, bah oui.
Qui te dit ça, Maka. Makarov? Maka sur le chat du N'importe live. quoi. Alors, bien malin, qui pourra dire qui l'emportera? Ouais. Parce que il y a quand même quelques pilotes de niveau assez égal, j'ai envie de dire. Ah, il y a du très très beau niveau, hein, Ouais, il y a du très bon niveau, ouais. Après, sur un 100%, faudra voir. Je pense que ce sera celui qui fera le moins d'erreurs. Et surtout, celui qui prendra pas de pénalité aura un aussi, oui. gros avantage. Parce que dès que tu Ouais. prends une pénalité, ben, ça te met déjà un peu de pression. Et ici, c'est facile de les prendre, les pénalités pour virage coupé. Des fois, c'est abusif même. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que, notamment dans le secteur 1, des fois, Ça c'est pardonne pas abusé. là. Ouais. Faut... Mais même le secteur 2, hein, si t'arrives à, si tu loupes les grosses chicanes là, Oui, tu prends l'extérieur, t'as c'est un beau ça. dégagement, et là tu peux enchaîner les pénalités aussi. C'est ça, donc Donc ça faut être peut très aller vite, prudent. hein. Ouais. Et Et ça peut aussi, s'enchaîner, hein. ouais. Rappelez que à Bahreïn, on a eu des très très gros pilotes avec des très bons rythmes, mais qui ont galéré sur certains virages. Notamment Paul Hamm, qui avait un Oui. peu de mal au virage 11. Oui. Une espèce de. Le gauche très serré, un Ouais, peu c'est ça, bosselé dans la descente, là. ouais. Ouais. Donc, à voir s'il n'y a pas un autre virage qui pourrait poser problème à d'autres pilotes ou même à lui. J'espère que ça ira pour tous les pilotes. Moi, un qui me posait problème, c'est le virage 3C. On a le premier enchaînement, Ouais. là, gauche-droite. Ouais. Et le Au bout suivant. alors. Ouais, toi, le suivant, là. Celui-là, il me faisait un peu chier. Il faut le prendre vraiment très près du rail à l'intérieur. Ah, tu veux dire le Et... léger droite? Non, le petit gauche là, quand tu rentres dans le secteur 1 là, tu sais. Tu parles de Bahreïn ou de Jeddah? Non, je te parle de Jeddah. Ah, Je te d'accord. parle Ah de oui, Jeddah. d'accord. Oui, Ok, oui, je vois, oui. pardon, oui. Oui, exact. Oui, ce virage, il est compliqué parce que tu Le frôles le virage mur 3, et... ouais. Ouais. Et Ouais, ici, il est pareil, hein, vicieux. si tu freinais trop tard, tu prenais pas le virage et tu prenais un avertissement. Donc Ouais. celui-ci, il était important. Ouais, Mais exact. bon, je pense que les gars se sont suffisamment entraînés. Ils savent qu'il faut pas freiner trop tard. Et bon, de toute façon, hein, ils savent qu'ils sont nombreux en piste, que c'est casse-gueule, qu'il faudra être prudent au premier virage, surtout. Surtout pas casser d'aileron ou d'ailette, hein, au premier tour, hein, parce que là, Ouais. ça te fout la course en l'air. Donc voilà, c'est une course où, enfin, faut toujours être patient, faut pas essayer de gagner la course au premier virage, quoi. C'est ça, soyez safe, la course est longue, donc prenez votre Voilà, temps. soyez safe. Peace and Voilà. love. Là, on doit être proche des 3 minutes, donc j'imagine que Titi va bientôt lancer la course. C'est Titi qui lance? Ouais. Groupe Il 2, lance la c'est course ou il Titi. lance sa voiture dans le mur? Titi, Je fais me pas le con, hein! désolidarise totalement de ce que tu viens de dire. Fais pas le con, Titi, Je hein, vois pas de oh! quoi tu parles. Alors, Titi s'est entraîné. Il n'y a pas de raison. Il va être prudent. Il a Ok. dit qu'il serait prudent. C'est Bah vrai ouais. que, en fait, il y a énormément de risques. Il y a beaucoup de risques de casse et de pénalité. Donc, le pilote qui va être prudent sur la piste, qui va emmener sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée, il a de grandes chances d'être dans le top 10. À voir. Moi, j'espère ça pour tous les pilotes. Malheureusement, tous les pilotes ne pourront pas être dans le top 10, donc on verra. Ouais, faudra être patient de toute Ouais, façon. c'est ça. Même ceux qui partiront à la faute au début ou qui casseront leur aileron, faut pas se démoraliser, il y aura peut-être une safety car. Vous voyez, c'est toujours ce qu'il faut se dire, hein. Ouais. Surtout ici, il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins une, à mon avis. Donc même quand tu es loin derrière, que tu as eu des couilles en début de course, la safety car elle va t'aider à revenir et la course est longue, hein, et pas, elle se finit pas au deuxième tour. C'est ça. Bah moi j'ai eu mon problème justement la semaine dernière. J'ai cassé dès le premier tour. Ah Ça a mis 30 tours, ouais, devant ça a pilé. ouais? Et j'ai mis une trentaine de tours, hein, 25 je crois, 25 tours à attendre la safety car. Eh oui. Faut être patient. Voilà. Allez, c'est... Ça va partir pour le tour de chauffe. Je vais regarder Tour de formation. les pneus qu'ils ont. Ah oui, tiens, je vais les mettre. Deux. Alors, Ah, il y a un petit peu de bah, tours. ils sont tous en jaune, sauf Pancho, Falco, Koffer et Titi qui partent en rouge. Ouais, Donc, j'ai tout le montré monde les est en livres en même jaune. temps. Alors, il n'y en a pas un qui a eu les coronesses de mettre les blancs. Alors, après, ils font ce qu'ils veulent. C'est bien aussi de partir en jaune. Hein. Les jaunes sont rapides. Hein. Dans le premier run, je pense que c'était bien de partir en jaune aussi. Ceux qui partent en rouge.
Moi, je suis pas très pour parce qu'il dure pas longtemps, quoi. Mais bon, Pancho, par exemple, lui qui est deuxième, s'il prend un bon départ et qu'il peut doubler Stupéfiant Weiser très rapidement, il pourra peut-être Oui. s'échapper, tu vois. Ouais. C'est un coup à prendre. Faut Oui, tenter. faut tenter, faut tenter. Comme Leclerc à Singapour, C'est sur un ça. sol. Ouais, Voilà. Ça bravo, peut être payant. exactement ça. Ah bah peut-être que Pancho a vu Leclerc à Singapour. Peut-être Il qu'il a été s'est dit inspiré putain de la réalité. je vais faire pareil. Possible. Pancho. Le stratège. Ouais. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. On verra. Il y a de très belles livrées en tout cas. Ouais. Les Je gars, ils se switch sont un petit peu. appliqués. Ouais. C'est la stupéfiant Weiser est jolie aussi, hein. Oui, il m'a montré tout à l'heure. Il voulait faire une livrée Ouais. bleu foncé, bleu. Elle est Ouais. un peu satinée, brillante là, c'est très Ouais. joli. Il a pris beaucoup d'avance, hein. Il a Ouais. bien voulu chauffer ses pneus médiums. Ouais, mais bon, ils vont refroidir, hein, le temps que tout le monde se place sur la grille. Je suis pas sûr que ça refroidit justement quand tu te places Ah ouais? sur la grille. Ouais, je crois que Ah, ça ok. garde. Mais en tout cas, ouais, bah oui, Mika, on espère voir la même course que à Bahreïn. Bahreïn, on a eu une vraiment très très belle course. Alors moi, je vais me mettre plutôt dans la deuxième partie du peloton pour voir ce qui s'y passe au Ouais. départ. Moi, faut que Pancho je a manqué sa trouve. mise en place. Ouais. Moi, faut que je trouve une vue où je pourrais avoir le vue d'ensemble du Ouais, c'est pas départ. fastoche les caméras, des fois, elles te Ah mettent n'importe quoi. On a Charvic et Inco donc qui ferment la marche pour ce premier tour. dirais que ça va être Dédé bon. a aussi manqué sa mise en place. Moi, j'ai que des caméras de derrière, hein, c'est Ouais, nul. moi aussi, là, je. On va Allez. voir. Ah, c'est bon, voilà. Et c'est parti. Oh, Stupéfiant Weiser drive trop. Aïe 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 aïe, Faux je. départ de Stupéfiant Weiser. Ah là 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 là, trop rapide. Il voulait donner le tempo et malheureusement. Il nous a fait le Widi. Hein? C'est ça, hein? Et ouais, Widi, il a exact. fait ça aussi, Ouais, je crois. exact. Aïe aïe aïe. Alors, il n'y a pas eu d'embûche au premier virage, on Alors, il y a dirait. Guy Gabs qui chute. Ah, Maka! Maka, qu'est-ce qui s'est passé? Maka, il a cassé Aïe aïe Maka! Non! aïe! Mais Il s'est accroché non! avec Guy Gaps! Guy Ah Gaps a là là pété son aileron! là! C'est pas Oh, possible! Makarov! Ah, il veut aller voir PSG Dortmund, lui, c'est pour ça! Maka, putain, il y a la safety car Ça va être sa déjà. consolation. La safety car Maka, viens commenter avec nous. Oh non. Tu vas nous raconter ton accident. Voir Tu si veux t'es l'inviter? indemne. Hein? Tu veux l'inviter? Bah, Pour qu'il nous invite-le, dise toi. ce qui s'est passé. Ça va faire un Oui. écran. Attends, je regarde. Ah, bah attends, je vais essayer de l'inviter, moi. Attends. Vas-y, ouais. Parce que sinon. Ouais, ça met en pause. Ok, t'en bouge pas. Maka, il est où le petit Maka? Ah, dommage. Ah putain! Oh bah ça aura pas duré longtemps pour lui. Hein. Safety Oh car dès le départ. putain! Un virage il a fait. Oh. Oh, il doit être vert. Aïe aïe aïe. Et un qui est vert aussi, c'est Stupéfiant Weiser. Hein. Putain, il doit se dire mais quel Bah. con alors! Et puis, bah, alors là, du coup, ils peuvent même pas rentrer pour la faire parce que safety car, on peut Oui, pas en effectuer le plus, ouais. rescue. Alors, bon, les pilotes en jaune, de toute façon, ils restent en piste, hein, ça c'est sûr. Après, la safety Oh, tout car le va monde, rester. ouais. Ouais, même ceux qui sont en rouge, ils vont Deux rester en rouge, tours. ouais. Ils sont tous l'un à côté de l'autre, donc Ouais. Mmh. on va faire un tour, je pense. Et le deuxième, ben, ça va rentrer. Aïe, aïe, aïe. Ah, Il est arrivé, Maka? Maka! Oui, il est arrivé, mais il parle pas encore. Je sais pas s'il a partagé Ah, sa voix. d'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Maka? Maka, tu m'entends? Ouais, je Partage t'entends. Bon, ses déjà, paramètres. première chose, tu dis rien sur PSG Dortmund. Hein? Non, Allez, sérieux, hein? Non, non, allez, 4-0 tu fermes pour ta Dortmund. bouche. Ah, Non, ferme ta 4-0. bouche. Ferme ta bouche. Et raconte-nous ton crash.
Bah écoute, le départ s'est bien passé. Enfin, je voyais deux voitures sur mon côté gauche là qui avaient tenté un petit peu au premier virage, mais ça s'est bien passé. Il y a eu un bordel au temps 1, 2, 3ème virage. Ouais. Il y a eu des sorties de route, il y avait une voiture qui était en contresens. Ah ouais? Et je me le suis pris. Voilà. En contresens complètement. Ouais, C'était Gigabs peut-être, non? Oui. Peut-être, je sais plus, mais Je crois que c'était Gigabs, Il t'a eu malheureusement. ou Gigaps. C'était pas une voiture de couleur un peu. Je Orange. sais même pas quelle couleur c'est. Ouais, c'est orange, Orange, orange ouais. pâle quoi. Bon, Elle est ah bah, magnifique. il était en tête à queue, donc je sais pas si c'était lui en fait. Bah c'est ça, c'était. Enfin, il n'y avait qu'une voiture en tête à queue et évidemment, vu ma chance légendaire, bah, je me suis pris. Putain. Fin de course. Ah mais toi oui c'est vrai que Ah, t'as une de ces putain. chattes. Ouais. En Putain. Ah, je plus suis. t'es, tu t'étais bien entraîné. Oh, quel dommage, Maca. Ouais. Ah T'es pas un vraiment peu dégoûté? Si, Bah beaucoup. ouais bah oui. Si, Tu veux rester avec nous pour Putain. commenter? Bah ouais, pas de problème, j'ai regardé Allez, c'est la cool. voiture. J'ai regardé toute la semaine. Eh, franchement, Jay, si tu peux te mettre 2 secondes sur Gigaps, Je que suis les sur gens lui hein. puissent voir à Ouais quel point sa je. voiture est jolie. Ouais, je suis sur lui depuis tout Elle à est l'heure belle, ouais. hein. Franchement, elle est belle. Ouais, elle est superbe. Magnifique. Par contre, Milané, alors pourquoi Milané est 15e? Parce que lui, il partait 5e ou 6e, si je me trompe Tiens pas. bah, ouais, bien vu, je vais mettre les Ah, chansons il de s'est pas position. arrêté, lui. Je me demande s'il s'est pas arrêté pour mettre des 9e. pneus neufs. Oui, mais Je peux Falco regarder. aussi. Arrêt. Un arrêt, oui. Oui. Falco, Milané Falco, Milané se sont arrêtés. et Gigabs. Ouais, elle rend cassé pour Milané. Et Gigabs, bah du coup, oui, on l'a pas Ah. vu, on l'a pas regardé justement à ce moment-là. Ouais, et On était en Gigaps train avait pété de. son aileron entièrement et donc il a mis Et ça rentre à des. nouveau pour Falco. Peut-être qu'il voulait rechanger ses pneus. Peut-être qu'il pouvait pas Oh là remettre les là. pneus qu'il voulait pour le départ. Il était peut-être parti en rouge. Mais Peut-être qu'il va pourquoi vouloir quand remettre les des mecs rouges. ils sont au stand, ça ne me l'affiche pas à l'écran moi. Ça c'est un bug encore, non? Ça dépend de ce que t'as mis comme affichage, je crois qu'il y en a un qui t'empêche de voir les. Je suis en diffusion, écart aucune, les pneus, et télémétrie activée, voilà, je sais pas Et Falco, à mon quoi. avis, ils ont pas dû lui changer son aileron au premier arrêt, ou alors il a recassé son aileron pendant la safety car. Ah. Mais là, il vient de le rechanger, donc il a peut-être pas mis Ah l'option oui, changement ouais, d'aileron, tu vois. c'est possible. Ouais. Ah ça c'est pareil, hein, c'est des erreurs à pas faire. Hein. Ouais. Faut toujours sélectionner aileron sur oui quand on est en tour de C'est formation. ça, ouais. Quand tu le fais à l'entame des stands, c'est mort, le truc il est bloqué, donc tu peux plus Oui, rien faire. ouais. Ça c'est les petites habitudes à prendre. Hein. Ouais, je confirme, c'est bien. C'était bien Gigaz, mais bon, voilà, Ouais. Ouais, ça bah arrive. c'est Bon, après ça ça, hein, arrive, hein, ouais, c'est les c'est. courses. Hein. Ouais. Mauvais endroit, mauvais moment. Voilà. Et Comme dans la chanson de. Tu je me vois comment doutais il qu'il allait se s'appelle. passer quelque chose à cet endroit-là, c'était sûr. Ah bah oui, de toute façon ici oui, c'est tellement Ouais. dangereux. Alors la safety car est toujours en piste. Là, elle va Steve. probablement rentrer. Ouais, et c'est Pancho qui fait la bonne affaire parce que Stupéfiant va s'arrêter pour son drive-through. Et Pancho, il va mettre les watts. Bah, tu sais quoi, stupéfiant, je pense qu'il va rouler au moins un ou deux tours pour essayer de prendre un minimum de marge avec certains pilotes. Ah peut-être, ouais. Et puis, parce qu'il est plus rapide que certains pilotes derrière, donc s'il rentre Oui, maintenant, il va être oui, oui. forcément dernier, mais loin. Oui, Alors que c'est s'il prend de vrai. l'avance, C'est vrai. on Mais va par pouvoir contre, il suivre. ressortira dans le trafic. Ah Mais bon, c'est bah. ça. Hein. Je pense qu'il sortira même dernier, mais avec moins d'écart que Ouais. dernier, tu vois. Ouais. Et la safety car va libérer les pilotes, les fauves, les bêtes. C'est vrai que c'est dommage là, pour Atomic. Hein. Putain, ouais. Et du coup, j'ai vu dans les. Tiens, attends, parce que. Report. Parce qu'il y a une pub qui est arrivée dans 10 secondes là. Donc j'ai retiré pour le. Pour la restart. Pour le restart. Ouais. Et du coup, oui, je disais, j'ai lu dans le chat. Apparemment, il y avait quelqu'un qui avait un problème de son. Et le rond cassé pour Milané. Il avait pas de son au début. Et Oh c'est reparti. merde! Ouais. Oh les putains de bugs, hein, ça te fout la merde. Ouais. Alors on va voir la relance. On a Paulham qui a attaqué Pancho au Ouais. premier virage. C'est vrai que ce qui peut perturber, c'est que bah, j'ai eu le souci en qualif, c'est que on a un. Enfin, le pilotage est un poil différent avec ces voitures. Oui. Ouais. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que c'est une base Red Bull ou Mercedes, je sais plus trop.
Et toutes les voitures multi ont cette base-là, donc ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler avec ces bases-là, forcément, Bah c'est ça, voilà. ça peut Ouais. induire un peu en erreur, même au niveau Faut de la s'entraîner caméra. un peu, ouais. Hein. Ouais. Ah Et ouais. un coup en hard. Un coup a mis les Ah, hard, donc pourquoi il s'est arrêté un coup? détail. Il a peut-être cassé Ouais. quelque chose, je sais pas. Oh putain, il y a un collègue qui m'envoie que des conneries sur Messenger, je vais avoir du mal à rester sérieux. Pas de problème. Je suis en train de lire ce message et je suis mort de rire. Enfin bon, je vous le nomme pas, mais vous le connaissez tous. D'accord. Il veut que je fasse un point de fierté quand t'es plus. Bah écoute, vas-y, hein. N'importe quoi. Bon, je vais pas lire ces Ouh, on messages a une parce belle que bataille ça. là. Oh, Il y a justement attention. Paulhame qui prend la tête. C'est très très proche entre les deux pilotes. Oh là là, Ouais. oui. Un stupéfiant va au stand, hein, de toute façon. Oui. Oui, il va purger son drive straw. Et on va Alors, suivre du coup la Paulhame. bataille entre Pancho et Paulhame. Oui, parce que Paulhame, on l'a vu déjà très rapide à Bahreïn, hein, on est Ouais. tous d'accord. Mais on l'a vu sur une longue course en difficulté, pas mal d'erreurs. Hein, C'est donc, on va ça. suivre sa course quand même. Hein. Et stupéfiant, il a eu son drive straw pour un départ volé ou c'était Oui, quoi? C'était pas. un départ volé, ouais. Il était pressé de démarrer. Ouais, mais c'est vrai qu'on se fait facilement piéger aussi. Mais là, ah ben. Moi j'ai Pancho en tête Oui, là. Pancho en tête, ouais. Donc, Pancho aurait redoublé Paulhame? Dans les J'ai pas tout virages, ouais, compris là. je. Bah, moi en plus, j'ai pas compris, j'ai dû louper Ouais, ou. ouais, ouais, ouais. Alors, je vais remettre les intervalles quand même chez moi là. Alors, je sais pas vous, j'ai l'impression qu'il y a. Quand je regarde Pancho depuis la caméra de Paulhame, j'ai l'impression que ça bug, mais très légèrement hein, sur Pancho. Ah. Mais je suis pas sûr de moi en fait. Attends, je vais le mettre sur Des Paulhame aussi. tout petits, des micro-décalages sur les côtés. Des micro-lags, tu vois. Bon, Oui. peut-être que c'est moi qui vois mal. Ou... Paulhame, il va tenter d'ailleurs. Oui, Voilà, Paulhame, il ça va à passe. l'extérieur Voilà. avec ses médiums. Les médiums, ils sont très bien. Hein. Ah là, bien, il laisse la place à l'intérieur, Ouais. c'est magnifique. Magnifique Superbe. dépassement Impeccable. de Paulhame. Ouais. Magnifique. Et du coup, ça Et fait les on a affaires de aussi. Robiwan, hein, parce que Robiwan qui On a recolle. Crazy qui vient de passer Stommy aussi. Ouais, bah oui, malheureusement, on n'a pas pu voir. Allez, DRS activé, les gars. Et Titi qui est en P8, hein, il fait un très bon début de course, Ouais. Titi. C'est pas mal aussi, hein, derrière, ouais. Stummy et puis Crazy. Ouais. On va suivre un petit peu. Bon, on a un Oula, ça couple-tout coupe pour seul Titic ça. derrière. Ouh, attention au mur là. On va voir si Stupéfiant va réussir à recoller au peloton. Qu'est-ce qu'il a mis comme pneu? Il a mis les médiums, Stupéfiant. Et bon, et donc on a Falco qui s'est déjà arrêté deux fois, hein, comme on vous l'a dit, il a pas changé son aileron quand il s'est arrêté la première fois. Ça doit mal finir en Et il fait. y a Pancho qui. Ouais, Ah, dans ce c'est cas-là, tendu. où est-ce qu'il Entre est les deux, switch? c'est tendu là. Hein. Ah, je suis là. Ouais, c'est très proche. Et on a Ruby One qui est juste derrière en embuscade. Et je trouve qu'en toute objectivité, bien sûr, je Oui. pense que pour vraiment le meilleur pilote de ce début de Grand Prix, c'est Ruby One hein, quand même. D'accord. Mais pas parce que c'est ton coéquipier, évidemment. Ah, c'est ton Non, bah non, bah coéquipier. non. Pas du tout, hein. Mais vraiment, vraiment pas, quoi. Ah, Là, j'ai je vu pense que Pancho au début. Paulhame, il va attaquer encore, je pense. Oui, encore à l'extérieur, comme au tour précédent. Il prend Il fait une belle l'extérieur. Et hélicoptère là. regardez, Ruby Hey, One, Robbie White qui va regardez, essayer de Ruby One. s'incruster. Attention, Ruby, on fait pas le fou. Alors, que va-t-il se passer? La confiance règne, on dirait. Ah non mais là c'est un 3 voiture. Une voiture blanche qui s'est plantée, c'est une bah ça doit être JB je pense. JB, oui, on dirait, parce que Gigabs roule toujours. Ouais. Ah, safety car! Safety car! Oh, qu'est-ce qui s'est Ah ouais, je regardais la passé? carte là, mais ouais. Encore une safety car. Coffer au standard. Pourquoi il y a JB, plus une... d'aileron. Ouais. Et il Aileron sort la pété. safety car pour ça. Ben. Il devait être. Ah. Tu sais, il était à l'arrêt, et puis il y a des voitures qui l'ont doublé. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et aileron sur le. Sur la piste. Oh, ils Voilà. sortent la safety car pour un rien. Accrochage avec Milani apparemment. Et JB. Alors là, ceux qui sont en rouge, à mon avis, il faut s'arrêter. Bah 6 tours, oui, l'usure est déjà bien présente, hein, donc je Ouais. vais mettre les pneus.
Bon, ouais, on a JB qui s'arrête, ouais, il n'y a plus Après, d'aileron du tout, hein. on a eu 2-3 tours sur safety car. Oui, Donc on peut peut-être oui. repousser un petit peu. S'il prévoit une autre safety car bientôt, tu vois. Bah, tu sais, moi franchement, je m'arrête, hein, avec. Moi, si Voilà. je suis Pancho, là, je m'arrête. Ouais. Ouais, Et franchement, puis, oui. Hein. ça fait aussi les affaires de suspension qui revient à la P11. Eh oui, tu vois, comme Ouais. quoi la course, hein. Ouais, dernièrement Surtout c'est pour ici, lui. hein. Les safety cars, c'est à foison. Ouais. Donc, Les modérateurs là, bloquez-moi cet individu là qui parle du LOSC là Ah, sans lui. arrêt Oh, là. oh non, pas lui, Bloquez-le là. pitié. Pitié, pas C'est lui. l'argument là. On n'en veut pas ici. On veut que des gens sages. En plus, il joue pas aujourd'hui. Oh, putain. Quel con, je te jure. Il faut me venir commenter, va. Enfin. Bon, bah voilà, on a fait 6 tours et il y a déjà eu 2 safety cars. Là, je crois que la voiture qui a le plus mené la course, c'est bah, c'est la safety car. Ouais. Exact. Aston Martin. Bon, bah, les pilotes qui étaient derrière, hein, comme Inco, Falco et Stupéfiant Weiser, hein, t'as vu, il est 11e déjà. Ouais. Après son drive through, il est 11e, donc il s'en sort très 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 bien. On a combien d'arrêts là? Trois arrêts pour Falco hein, quand même. Pancho et Gigabs devraient s'arrêter. Ah oui, ah Ouais. ouais, franchement, Pancho, je sais pas pourquoi tu restes en piste. Mais là, le problème, c'est que c'est trop tard maintenant. Oui, Et il va c'est ressortir vrai. dernier. Hein. Ah ouais, là, s'il s'arrête, il repart dernier, mais bon, en pneu neuf. Bah ouais. Ouais, mais qui dit qu'il Moi, n'y aura pas franchement. une autre safety car dans 2-3 tours, tu vois? Peut-être qu'il se dit Ouais, ça et mais puis bon. que. Bon. Est-ce que ça Tu vaut la sais, là, peine? regarde. Là, ils vont repartir dans un tour, donc on sera au tour 8. Avec ses rouges, il va faire aller 5-6 tours à fond. Il va Ouais. devoir s'arrêter, hein. Ouais. Mais s'il y a une Je safety pense. car, ben du coup, il va Ouais, peut-être s'il y en a une, pouvoir ouais. rentrer. Dis-moi Ayrton, est-ce que tu veux que je te spoil un match qui n'est pas du PSG? Ouais, si tu veux, ouais. Eh bien, l'étoile rouge de Belgrade a marqué face à Manchester City. Ah ouais, tiens, oui, c'est vrai, j'ai la télé allumée sur Bein Sport, ouais. Eh ben, c'est bien, tant mieux. Alors, Gaël, si tu m'écoutes, parce qu'apparemment Pancho a pas reprogrammé. Alors, c'est un bug en fait, ça n'a rien à voir avec le truc de F1, enfin les mises à jour. Il faut qu'il aille tout à droite au niveau des pneus, qu'il aille jusqu'au pneu pluie. Et après, s'il revient sur la gauche, il va finir par trouver des médiums. Par contre, s'il revient de toute la gauche et qu'il va vers la droite, il aura plus les médiums. C'est un bug à la con. Mais en tout cas, c'est un jeu de piste en fait. Les pneus sont là, mais il faut aller complètement à droite et après revenir sur la gauche. Et ensuite, tu peux voir les médiums apparaître. J'ai remarqué ça fait plus d'une semaine que ce bug existe. Je crois que c'était même il y a 2 semaines. Quand je m'entraînais pour Jeddah, le bug existait déjà. Donc tu peux passer le message. Mais Ruby One, je me trompe ou il était avec nous la semaine dernière dans le groupe 1? Oui, Tout à il fait. a Ah, switché en groupe d'accord. 2. Ok. Et Donc il a eu un très. D'accord. Ouais, il a rejoint Maka, vu que Maka était tout seul. Ah oui, donc il a un bon entraînement, hein, Ruby One. Là, oui, il a un petit avantage là, par rapport aux autres, on C'est peut le bien. dire. Ouais. Ok. Je vois pas de quoi vous parlez. Il a aucun avantage par rapport à L'objectivité C'est exagéré de par Maka, rapport. légendaire, oui. Bah évidemment. On te reconnaît bien là, Maka. Alors, on a Koffer et Titi qui sont en pneus tout neufs, Falco aussi, et JB aussi. Donc, ils ont un petit avantage pour ça. Ils s'arrêteront après les 11 premiers pilotes, qui ont tous des pneus usagés. Enfin, usagés. Pas Ils ont d'emmerde tous 7 pour rien. tours. Les 11 premiers ont 7 tours Et ça sur leurs pneus. relance. Ouais. Ah, ça relance. Ça Est-ce relance qu'il en va faisant relancer au des même endroit ou un peu plus papiers. tard cette fois-ci? Là, faut accélérer maintenant. Ouais. À fond, à fond, à Mais fond. il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. Je pense que c'est Pancho qui s'est loupé. Quoique même Alors. 4 dixièmes. Et est-ce que Pancho avec ses rouges va réussir à attaquer JB Non. JRR Polam, j'en suis pas sûr. Hein. Non, non. Parce que les rouges, franchement, je suis pas fan. Ouais, ça va être compliqué. Et Polam, il a l'air bien, hein, ce soir. Après, avec les rouges, t'es quand même assez à l'aise hein, sur ce circuit-là. Ouais. Ils sont vraiment pas mal. Mais au début, parce qu'après, ils deviennent dégueulasses. Ouais, il s'écroule. Ouais. La longévité? Ouais, ça, la longévité des pneus rouges. Elle est pas excellente et c'est le problème cette année, les pneus s'usent assez rapidement.
Alors que pendant ce temps, on a Crazy Titix qui est le premier pilote à prendre 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe. Ouais. Tiens, on a une bataille là avec. On a Milané qui est en bagarre. Ah bah, c'est bien de dépasser Charvic. Ouais. Je vais retourner devant parce que va y avoir. Oui. Ça va dépasser probablement là. Ouais, moi je navigue un peu derrière, je regarde ce qui se passe. Ouais, Barry, pas de problème, on peut échanger notre rendez-vous si tu veux. Oh, Barry, qu'il est relou, celui-là. Je prends ton rendez-vous. Alors, Titi est à 14e. De quoi? Ah oui, Pancho va attaquer. Oui, oui, oui. Je suis dessus. Il y va. Non, il essaye. Ah, le DRS. Ah non, il n'est pas activé. Non, il n'y a pas de DRS encore. Ouais. Mais avec l'aspiration, il devrait pouvoir passer là. Mais à mon avis, il vide les batteries, les deux, non? Oui, mais. Safety car, non, virtuel. Aïe, 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 aïe. 5 secondes de pénalité pour stupéfiant? Non, pour coffer. Bah, stupéfiant aussi. Ils se sont percutés, les deux. Virtuel. Et j'ai vu stupéfiant, moi, là-haut. Hein. Oui, moi, j'ai vu stupéfiant et coffer. D'accord, ok. Ah bon? Attends, j'ai regardé. Ouais, et on a stupéfiant qui retourne au stand. Aïe, 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 aïe. Avec Inco aussi, Inco est au stand aussi. Alors après, c'est peut-être pour les pneus. Peut-être que là, c'est le moment de changer les pneus pour certains, tu vois. Ouais, mais Jay, Inco, il est en blanc. Ah, Inco, ouais, il est en blanc. Ouais, pourquoi il enlève ses blancs pour mettre les jaunes, Inco? Et il a pas changé son aileron, à tout hasard? Non, il a changé que les pneus, Inco. Et est-ce qu'il aurait pas blancs, le bug, justement Je sais pas. Là, c'est pas compréhensible. À mon avis, il devait rentrer au stand pour changer un truc. Il a dû taper. Il a fait 3 tours en blanc. Il a dû taper, écoute, je pense. Son aileron, il a l'air intact visuellement. Ouais, mais tu sais, des fois, on voit pas. Quand c'est jaune, on voit pas. Ouais, c'est vrai. Il a une belle voiture aussi, lui. C'est bien Coffer hein, qui a pris uniquement la. Mais je. Coffer a pris une pénalité. Avec Stup. Ouais, d'accord, ça, ouais. Stup a mis les hards, hein. Stup il est rentré pour mettre les hards. Drapeau jaune, virtuel. Oh. Il s'est repassé à autre chose là. Et moi je suis paumé. Oh putain. Je suis paumé. Ça va finir. Ça va finir à quelle heure la course? Ah je te jure. Il s'est rien passé, il me semble en plus. Hein. Non, en plus, il y a rien. Non, mais je trouve qu'elle sort trop facilement la VSC, la safety car. Allez, les en normal. Coffer, vitesse excessive sur VSC. Aïe aïe aïe, les gars, focus. Carnage dans le peloton. Entre Putain. Les 5 secondes et son drive-through, là, il est. Bah, les safety car, il reste 40 tours, Maca. Donc. Même s'il est en difficulté, là, s'il y a une safety car à 15 tours de l'arrivée, voilà quoi. Ouais. Tu sais, ici. Hein. Titix au tendre. Ouais. Il n'est pas déjà rentré juste avant? Bah, Titix, il passe plus de temps au non, stand non, que sur la piste. Il a 10 tours sur ce jeu. Il change son aileron, il met les blancs. Titix. Bon, pour les blancs, oui, et maintenant ça paraît logique. Hein, parce que là, il change son aileron. Non, c'est son premier arrêt. Pénalité drive-through, vitesse excessive. Oh, VSC Inco. Inco. Oh là là. Inco. Bon, on va rouvrir le carnet pour les stages là. Je vais prendre des notes, je vais prendre vos noms les gars parce que c'est pas Sinon, possible. On peut refaire la course, moi ça m'arrangerait. Hein. Ouais, ça. Ouais. Ah, là. C'est vrai qu'il faut être toujours concentré parce que dès qu'il y a une VSC. Dès qu'il y a une VSC, moi j'ai un œil sur le delta, je le lâche pas des yeux. Parce le que problème c'est que. Plein de fois. Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui veulent jouer avec le delta. Ouais. Les gars, c'est un coup ça passe, un coup ça passe pas. Donc c'est à votre risque et péril. Laissez un delta de au moins une demi-seconde. C'est vous avez perdu une demi-seconde, mais au moins vous êtes tranquille, tu vois. Bah ouais, c'est et tellement. Va doubler, Paul ouais, et c'est fait. Ah, j'ai pas vu. Allez, Pancho, t'as 10 tours sur tes rouges aussi, bonhomme. Donc Pancho au stand dans 3-4 tours. Hein. Ouais, là, après ça dépend comment ce qu'ils ont géré, c'est peut-être. Bah, surtout que là, il va attaquer pour pas se faire attaquer par Polam. Ouais. À mon avis, Pancho va aller au stand bientôt. Bon, on n'en est pas là. Bah, on va voir, après, s'il arrive à garder le rythme, il peut très bien rester sur la piste. Mais bon, c'est quand même assez dangereux, hein. Même s'il arrive à prendre du temps encore sur Polam, la piste va devenir très très glissante pour ses pneus. Bah, moi je pense que même avec ses rouges il va pas le distancer parce qu'avec le DRS les jaunes ils sont bien là au bout de 10 tours ils sont parfaits les jaunes. Ouais. Alors je sais plus si vous VSC le DRS il s'active tout de suite ou pas, je m'en rappelle plus. Je sais pas. Je pense.
Ouais, je pense. Ouais. Ouais, il est en grande difficulté pour l'âme là. Hein. Et on a Faut qu'il se Ruby qui suit reconcentre. bien. Ouais. Et Crazy Tix, il vient de passer un co qui est encore dans les stands. Non, Oh, Anko, qu'est-ce qu'il fait au mais stand, je pense que Anko? Anko s'est plié. Hein. Je pense qu'il est. Attends, je regarde ce Il est qu'il pas fait. apte. Ouais, je pense que. Attends, il sort ou il fait quoi Non, c'est là? son drag throw, je pense qu'il fait. Ah, il fait son Ah drag oui, exact. Ah throw, bah oui. d'accord. Aïe aïe aïe. D'accord. Ouais, mais bon, au moins c'est fait, tu vois. Et Paulhame qui n'est plus dans le DRS. Ah, déjà, si? Ah Ah si, bah, bon? il vient de retourner. Il était à une seconde. Là, il a dû bombarder. Ouais, Pancho, ouais. Alors, bon, Pancho a 50% de batterie. Paulhame en a 62%. Ça se bat Alors que là. derrière, ça s'attaque entre Ouais. Stomy. Il y a Dédé qui vient de dépasser. Ouh, il arrive à fond. Hein. Oh, mais Dédé, il est Ah donc. chaud! Ah ouais. Fusée. Allez, Dédé! Déboîte! Il va déboîter, Dédé. Il va déboîter. Il va déboîter à l'intérieur. Joli. Rien à dire. Mais il Aïe allait aïe aïe prendre le aïe, ça meilleur temps. tape, Aïe, je aïe, crois, aïe, ou aïe. c'est le frein. J'ai pas fait gaffe. Il a freiné Ça va être le tard. frein, ouais, ça va être le frein. La chasser du cul. Mais bon, n'empêche qu'il a pris la P4. Ouais. Et derrière, ça se bat aussi entre Ouais, Gigabs et Lucky Gigaps. Chano. Ouais, belle bagarre, hein. Sans, comment dire, sans dévoiler les niveaux de RS, je vois que Pancho là il essaye d'en. Enfin, il en a mis un petit peu quand même, histoire de garder un écart, mais Ouais. Il est là à on voit que ça va 50 être la là, galère. Pancho. Mais là, voilà, ça a commencé à chuter pour Pancho. Je vais regarder quel est le pilote qui tape le plus dans sa batterie. Dédé, il est à 38. Mais les autres, franchement, c'est raisonnable, hein. Les autres. 75, 80, 62, 90 pour Stupéfiant Est-ce Wiser. que ça va tenter là pour Falco? Ouais, c'est passé. Hein. Non, Ça va, il y a un c'est groupe passé. de 4 là. Oh là là, c'est dangereux. Hein. Mais tu vois, Paulhame, il suit sans difficulté hein, avec ses jaunes. Hein. Ouais, s'il arrive à rester dans le DRS, bah, c'est banco pour lui. Par contre, Gigaps, qui est le deuxième pilote en soft, il est sur le point de perdre le DRS de Stomy. Drapeau jaune, attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, Alors, drapeau j'allais jaune. me mettre Drapeau sur jaune. Titi, mais quelqu'un s'est pété la gueule là, c'est ça? Non, bah c'est un parking. Bah non, il n'y a rien de grave apparemment. Alors les trois premiers ont fait un petit écart. Hein. Les trois premiers ont 2 secondes 5 sur le quatrième qui est Dédé. On a JB qui est au stand. Qu'est-ce qu'il fait au stand de JB? On a Dédé qui vient de prendre 3 secondes aussi. Il y a un changement d'aileron pour JB. Il y a Falco est très très Jérôme proche. Hein. qui me demande sur un chat est-ce qu'il y a une différence d'usure de pneus entre les voitures officielles et les... Je sais pas du tout. Aucune idée. C'est une bonne Là, question. entre elles, là, les voitures, il n'y aura aucune différence. Par Même contre, au niveau de avec les l'usure des officiels, pneus. ouais. Là, je veux dire, entre les pilotes là, qu'il y a sur la piste, il n'y a strictement aucune différence. Par contre, par rapport aux voitures officielles, je pense qu'il doit y en avoir légèrement. Encore que, je suis même pas sûr. Je sais pas. Il s'est un peu loupé là, Falco, malheureusement, parce qu'il recollait bien derrière Gibbs. C'est dommage. Après Gigabs, il est en train de bourriner un peu son ERS, hein, il y a ça aussi. Ouais, On d'accord. a Milané qui vient de passer Lucky. Ouais. Alors Milané, c'est un pilote qui a un bon rythme aussi. Ça va, tenter pour Paulhame, attention, c'est dangereux. Oh là là là, ils sont proches. Ou devant aussi. Moi, ce que j'aime, c'est la position à Ruby One. Tu vois, il est juste derrière en embuscade. Il attend qu'il y ait un petit écart, Ouais. une Et devant, petite hein, ça se bat touchette. encore là. Ouais. J'avais vu ça tout à l'heure, mais. Ouais, là, il est en difficulté avec ses rouges maintenant. Ah oui. Il aurait dû s'arrêter plus tôt, je pense. Parce que là, il va s'arrêter maintenant, tu sais. Ouais. Il va repartir comment là? 13e, 14e? Je sais pas. Mais bon. Peut-être 11e devant Stupéfiant. Et encore. Ouais. T'as sûrement raison, ouais. Et ouais, c'est parti. Mais bon, ils suivent bien. Hein. Paulhame et Ruby One, ils suivent bien.
Ils creusent, tous les trois, ils creusent sur le reste du peloton. On a Stommi aussi qui est bien remonté, Stommi, hein, purée. Il a volé la P4 à Falco, enfin non, pas à Falco, à Dédé qui était quatrième tout à l'heure, mais ouais. Dédé il s'est un peu manqué. Il y a une petite bataille à 3 là, bien. Pour la 7ème place. Trungané, le Channel Geekaps. Ouais. Essayer de remonter, justement, de recoller devant. Et Falco qui repasse Stommi. Geekaps était quasiment plus de RS. Ah ouais. Ah, Gigabs, difficulté là, vraiment. On a Polam qui rattaque Pancho. Ouais. Ah, ils se tirent la bourre les deux là. Oula, ouais. C'était proche. Hein. C'est propre, il n'y a pas de touchette. Ouais. Respect. Et ça re-attaque encore. Ah, il y a Ruby One qui va peut-être feinter là. Ouais. Il est patient, Ruby One, il a raison. Ouais, ça commence à être compliqué, ouais. Vraiment, vraiment compliqué pour Pancho. Ouais, je sais pas comment il fait pour tenir, hein, franchement. Mais faudrait pas qu'il commette une erreur, hein, parce que là il va avoir beaucoup de pression depuis le désert. Ça risque plutôt de lui desservir, hein, Ouais. Ouais, quand on a les pneus usés, on surpilote et... Mais d'un autre côté, s'il arrive à aller aussi loin que le relais des jaunes, il est gagnant. Hein. Oui, parce que lui, il va pouvoir mettre des jaunes après, et les autres vont devoir mettre soit des rouges, soit des blancs. Bon, c'est plutôt des blancs, j'imagine. Voir les blancs, hein, il reste quoi, 34 tours, là. Oui. Tu mets les blancs, tu vas au bout, presque, hein. Ça dépend du rythme que tu as en fait. Ouais. Mais je pense que peut-être dans le groupe 2, oui, c'est possible. Ou faire jaune-jaune pour être tranquille. Après, moi j'avais fait un petit relais entraîné Cléard, j'avais fait à peu près 30 tours. Donc, ouais. J'avais une usure à 60. Ouais. 60%? Ouais. Oula, oui, non, mais ouais, d'accord. Déjà à 30. Oulala, c'est très très proche. Ah, c'est bon, ça se laisse passer. À 30% déjà, t'es en galère. Hein. Donc 60, chapeau. Il y a des écarts qui se sont un peu créés derrière. Il y a un peu moins de touche-touche. Enfin, de touche-touche entre parenthèses. Mais disons qu'ils ont tous un peu d'air entre le pilote attention, de devant. Oh là là, ça touche pas. Mais Ruby One, il est bien placé, Ruby One, là. Ouais. Il est passé deuxième. Ouais, ça rentre au stand pour Pancho. Ça y est, Pancho. On va suivre la bataille. Ruby One qui va passer devant. Non, petite feinte. Je regarde ce que met Pancho comme pneu. À mon avis, il mettra les médiums. Je pense. Il met les hard. Il met les hard. Bien joué, Pancho. Ça, c'est bon, ça. Pour moi, c'est une très bonne idée. Dédé a repris 3 secondes. Ah là là. Ça fait 6. Ouais. Alors maintenant, il faudra surveiller Ruby One et Paulam, qui sont tous les deux en médium, mais aussi Falco, qui est bien remonté. Hein. Et Pancho et Stupéfiant vont être très proches. Hein. Alors Stupéfiant, il va avoir des pneus usés par contre. Mais ouais, ça va être quand même compliqué pour Stupéfiant. Hein. Bon, ils vont Pancho. Que 7 tours, hein, c'est hard. Hein. Oui, mais il va avoir des hard 9, Pancho, donc le temps de l'échauffer, après il va pouvoir, pouvoir dérouler. Bon, finalement, il y avait un petit écart, mais je vais retourner là-haut. Il y a Milané aussi qui est bien remonté après un début de course pas difficile, mais un peu plus en retrait. Ouais. Il est bien remonté dans le top 5. Stommi et Falco aussi, hein, qui font une très belle course. Et il faudra voir s'il réussit ça. Ah, et il est proche, hein, Ruby One encore. Ouais, il va être intelligent. Il va attendre le. Ouais, il s'est bien relancé, un peu la main. Ça va être compliqué à moins que... Ouh, ouais, il a une belle vitesse de pointe, dis donc, Ruby. Voilà, Ruby One passe en tête. Joli. Ah, il s'est un petit peu loupé. Est-ce que ça en profiter? Non. Oula, attention, il y a des rails, là. Ouais, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. C'est ici celui-là, ouh voilà, tu vois, celui-là il est. Je sais pas si t'as vu, mais Paulam il a pris les rails et. Ça a tout droit, hein. Donc. Les deux sont sortis large, là. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils ont été avertis ou pas. Tous les deux sont loupés. C'est vrai que là les écarts commencent vraiment à se creuser. On a plus que les deux premiers ensemble.
En moins d'une Ah seconde. ouais, mais bon, faut surveiller, voir si ça fait l'élastique ou pas. Oh Oh, là là, la il sortie de s'assoit. Ruby Oh là là. Wan! Oh la faute, Ruby Ouais. Wan! Ah, il l'a perdu, encore Ouais. il a pas tapé le mur, une chance. Ouais, il a Mais de la chance. alors, pouf, quelle sortie de piste! Ah, dommage, il était en Et tête! du coup, Paulham, il a dû couper pour l'éviter. Parce que moi, j'ai vu que Paulham couper. Ouais. Donc, j'ai pas vu en fait l'accident. C'est après que je suis allé Non, sur. c'est. Non, Ruby Wan a glissé, hein, a glissé à Ouais. l'extérieur et il me semble que non. Paulham, il était loin, il était sur la piste. Et pendant D'accord. ce temps-là, il y a Falco qui est revenu dans le DRS de Bah oui. Paulham. Ça fait son jeu. Et on a Milané qui est revenu dans le DRS de Stomy. Ouais, Et bah, bravo à Paulham pour sa victoire ce soir. Ah ouais, bah ça c'est pas fait, hein. Attends, parce que Pancho, justement, là, il va avoir un undercut. Il Ouais, oui, faudra Pancho, il est voir en plus, il a piste libre, Pancho, devant lui là. un. Ouais. Et On a Titi Titi qui qui est sur double. l'attaque sur Ouais. Gigabs. Ah non, il est au stand, Gigabs. Ah d'accord. Titi 8e, hein, joli. Hein. Oui. Titi a doublé Gigabs. Pourquoi tu te marres? Parce que je croyais que Titi avait fait un beau dépassement que j'avais loupé. En fait, Ah. bah non, il était au stand Gigabs. Ouais, mais n'empêche que Titi, il fait pas d'erreur, hein. Ah mais oui, T'as c'est ce vu? qu'il faut, hein, il a raison. C'est bien, hein. Il fait une course propre, puisqu'on lui Ouais, demandait. bah ouais, 8e, c'est bien. Et ça va payer de toute manière. Bon, la course est longue encore, on verra comment ça évolue. Mais... Ouais. Et devant, ça va s'attaquer encore. Il y a Falco bientôt sur Paula, mais il y aura aussi Putain, je vais Milané tourner. sur Stomy. Hein. Ils Ouais. sont dans le DRS. Il y a même Dédé. Hein. Dédé, je pensais pas qu'il était si rapide, Dédé, moi. Dédé, c'est un très très bon pilote, hein. Il se battait l'année dernière pour les premières places. En Ah, groupe 2. mais je dois confondre avec un autre Dédé que j'ai connu il y a quelques années. Mais, Ah. il y a... ouais. Mais ouais, là, il y a Milané qui vient de passer Stomy. Milané, il est chaud. Et Falco qui a doublé pour la Ouais. Bah ouais, bah. Voilà, ouais, Falco est en tête. J'ai loupé, j'étais sur les autres. Alors là, Falco est passé en tête, Paulhame deuxième, et Milané est bien remonté à la troisième place. Hein. Et donc, faudra Ce surveiller qu'il va Pancho qui est en tenter. hard Et tout Paulhame, neuf. il va remplacer le premier. Il a doublé, donc ça passe, c'est bon. Quoi, il se tire la Je vais aller bourre, les sur mecs devant. Hein. Il se Stomy tire la après. bourre. Et Stomy, ça va être pareil, ça va doubler. Ils doivent se régaler en piste, hein, les gars, là, non? Ouais. On a deux belles batailles. Ouais. Et dès qu'il y aura les arrows stand, on aura encore Stupéfiant et Pancho qui vont remonter. Et il y a Stomy qui a repassé Milané, hein. Pareil, il se tire la bourre, hein, les Oui, deux. je suis sur Milané justement. Ouais. Et Pancho qui remonte, qui vient de doubler Charlie. Belle bagarre pour la troisième place, là, les deux. Ouais. Alors, est-ce que Ruby Wan va se remettre de son erreur? Faut se reconcentrer. Ouais, il est pas si loin en fait. Hein. Oui, Bon. il est plus très loin de Lucky Luciano. Et il y en a un qui remonte vite, c'est Pancho. Parce que là, les médiums, ok. Mais les médiums, quand ils ont 14, 15, 16 tours, bah, à rivaliser avec les blancs, des fois, il vaut mieux mettre les blancs. Et je pense que les blancs, à un moment donné, seront plus rapides que les jaunes. Mais ça va pas tarder, je pense. Bah, Gigabs qui est en bataille avec. Avec Resdetix, il vient de le doubler. Ah, ça part, j'ai loupé la bataille. Ouais, mais Dommage. elle a partout Alors, des batailles, hein. C'est pas facile à je suis tenir. retourné sur. Ouais. Message de service pour Ayrton, ne regarde pas le chat. Je répète, ne regarde pas le chat. Non, non, mais t'inquiète, il est même pas allumé le chat. Ah, bah ça va alors. Non, je te jure, si j'apprends la moindre information sur le match, plus jamais je commente. Ça rentre au stand pour Paulhame. Ah, ça change l'aileron. Merde! Je crois que Alors ça a changé l'aileron, hein, attends. parce que. Alors, je suis pas sûr de moi, parce que je suis arrivé et il y Tu avait sais un pas. mec sur le côté qui avait l'aileron dans les mains. Ah. Donc, je sais pas du tout si. Ah, je sais pas. S'il y en a qui ont l'info. Parce qu'il ressort loin quand même, hein, Ouais, Paulhame, ouais, non? ouais. Et il a mis du temps, hein, donc. Ah non, il n'y a pas eu de changement de... Il Y n'y a a pas de pas eu de changement? changement. Ok. Ah bon? Maintenant, tu peux le voir en fait dans le mode Ah directeur de oui. course. Ah, Il ok. y a un truc arrêt au stand, ils te mettent quand ils changent les Alors avant-bras. là, les gars, D'accord. maintenant, on a Falco qui a 8 secondes et demie d'avance sur Milané. Waouh! Tiens, je vais faire le point sur les pneus.
Ah, Falco est rapide le gars. Ouais. 20 tours presque là, bah 20 tours pour Stomi, 19 avec ses médiums pour Milanais, 15 pour Falco. Ouais. Falco a déjà fait un arrêt donc ouais, il a Même des deux, pneus je neufs, crois. ouais, c'est bien, hein, parce qu'il va pouvoir s'arrêter Eh en oui. même temps que les autres. Et du coup, il aura pris l'avantage. C'est chaud pour la Quand P7, toi. tout. Pardon, Maka. C'est chaud pour la P7. Allez, continue. Et quand tous les médiums vont s'arrêter, là, les Titi, Luciano, Obi-Wan, Dede, Stomy, qui va se Aïe aïe retrouver aïe. deuxième? C'est Pancho. Ouais. Et je pense que même quand le Falco va s'arrêter, je pense que Pancho repassera devant. Hey, Titi, Je on sais suit le pas. DRS. Faut voir, faudra voir. 5 secondes de Tommy. pénalité? Ah, Ouais, stand, oh, Stomy. Stomy, merde, Hop, Tommy, merde! j'ai inscrit au stage aussi. Ah Allez. putain, mais tout le monde est inscrit. Il est plein de stages, les gars. Il n'y a plus de place. On va faire plein de sessions, hein. Ils vont se faire de l'argent. Ouais. Il y a beaucoup Ah, ça, d'arrêts les là, hein. Il y a pénalités. 3 arrêts, il y a Stomy, Dédé et puis Robbie Ça rend fou ces putains de pénalités, là. One. Pénalités qui sont évitables, hein. Ah ouais. Ouais, c'est Mais on ça. se fait tous baiser un jour, hein. Bah oui. Donc Et Stupéfiant ça, qui repasse devant. c'est les erreurs que je cherche à gommer le plus possible, moi. Ah bah ça se travaille, hein. Donc c'est un petit peu Ah l'idée. ouais. Alors. Où est-ce que je pourrais aller éventuellement là? Mais si bien, ça Ah, fait c'est 15 tours qu'on n'a pas Rodriguez. eu de safety car. Ouais. Et Après, il suffit de ouais. se mettre un petit peu dans le rythme et puis ça finit par passer. Ouais, c'est toujours compliqué les débuts de course, hein, de toute façon. Ouais. Dédé est très très proche de Stomy là. Titi 5ème, hein. Ouais, putain, Ouais. incroyable. Avec 15 tours dans ses pneus, donc il peut encore prolonger. De toute Ouais, bien. façon, ça va passer pour Dédé. Non, il a préféré assurer. Il était intelligent, ça passe pas à deux. Par contre, on a Falco et Milani qui roulent exactement dans le même rythme. Hein. Je surveille les intervalles, ça bouge Ouais. pas des masses. Hein. Ça passe pour Dédé par contre sur Stomy ou. Non, c'est l'inverse. C'est Robbie One qui attaque Stomy. Ouais. Et Dédé, Rob. Roby, Stomy sont en pneu neuf, tous les Ouais. trois. Et là, Robbie, à mon avis, ouais, ça va tenter. Bah ouais, Roby, il sait qu'il est rapide, Ah. hein. Il se dit putain, Et il va quand se faire même. doubler aussi. Oh non. Oh, y a du monde là. Ah ouais, là, il y a de la bagarre. 4 dans le virage, là. Ouais. Mais c'est bien, les gars se laissent la place, c'est extrêmement correct. Oula, Oh ça tape pas là là! là. Oui, on l'a vu derrière. Aïe aïe aïe, dommage. Dommage. Ah là là. Ah, quel dommage. Quel Attention aux dommage. rails, Stomy. Ouais. Ah, Ah, c'est c'était. Ouais. virage compliqué là. C'est tellement serré, on peut pas passer à 2 là, ou à 3. Ouais. Il y a des virages, il vaut mieux être un peu patient. Ben, c'est ça, ouais. Et là, malheureusement, bah, ça a pas payé, hein. Par contre, Milané a dû se rater parce que là, il vient de prendre 2 secondes dans la vue par Falco, hein, Milané. Hein. Il Ah, était à ouais. 8-8, il est à 10-5. Bah, Alors, Falco a moins d'usure, hein, donc. ouais, il a 3 tours de moins que Bah, ouais, Milané, ouais, ça ça c'est peut pneu. payer, hein, cette Pancho est tactique. 4ème. Attention, Drapeau secteur de jaune. drapeau jaune. C'est une Ferrari, j'ai l'impression. Coiffeur, Il y a peut-être? Milané qui est au stand. Ah, il a Ah. peut-être cassé son aileron, Milané. Je sais pas, je vais Ah, c'est surveiller. peut-être pour ça alors. Je Ou vais alors il regarder veut faire ça. l'undercut. L'undercut, hein, c'est bon moment, hein, je pense. Et on a Lucky Luciano aussi qui est au stand. Ah non, il change que les pneus chez Milané. Ok, il met les blancs. Pour aller au bout. Ok. Et stupéfiant qui est encore au stand. Ça tente pour Non. Guy Gabs. Non, c'est pas Non. stupéfiant. Oh, attention là, le freinage. Ouh là là. Et ce sont les rouges pour Luciano. Ah ouais, ok, Oui. d'accord. Ok. On va peut-être faire rouge, hein. Bah ouais. Ah, je sais pas, ouais. Bah Bah 10. il reste 25 Ouais. tours. Ouais. Ça ferait à peu près. Ouais, il en reste 26, 27 là avec celui-là.
Donc, ouais, il reste 27 tours, tu ferais 13-14 à peu près. Et BD, en Je vrai, suis pas j'étais sûr trop fort. que. Je pense qu'il devrait mettre quand même un train de jaune parce qu'il pourra garder un rythme plus élevé plus longtemps. Ouais, c'est oui, c'est vrai. Mais le Alors, rouge, ça peut être vu. une bonne idée aussi, hein, en deuxième relais. Ouais, et vu la situation là, entre Falco et Pancho, je pense que Falco a l'avantage parce que quand il va s'arrêter, je sais même pas s'il ressortira derrière Pancho, il sera en pneu neuf. Ouais, je pense que Falco a l'avantage pour ça pour l'instant. Ouais. Aïe, ça sort large pour Charvik. Attention, retour en piste, les gars. Et Titi est quatrième. Ouais. Attention à tes pneus, hein, Titi. On va pas trop trop loin non plus. Hein. Reste bien concentré, Titi. Ouais, surtout en plus de ça, ouais. Faut. Parce que j'ai vu Coiffeur faire une erreur, donc j'espère que dans la vocale, ça a pas trop hurlé. Alors on a JB qui vient de chausser les rouges, Dédé aussi. Ouf, on l'a failli. Ah. Ah, il a failli avoir un truc. Parce que Charvik qui était sur le côté droit. Et il y avait son coéquipier qui était doublé à gauche. Et Charvik devait plonger dans les stands. Donc ils ont failli se croiser. Et se Charvik gêner, est tu au vois. stand. Ouais. Charvik est au stand, ouais. Alors, il n'y a pas d'aileron de près. Il change les pneus. Il remet des jaunes. Ok. Tiens, on va aller voir Milané là qui a 2 dixièmes derrière Titi. Ah ouais. Milané qui a des pneus neufs. Donc il Ouais, va des être. hard. Ouais. Donc là, Titi, je pense que tu peux rien faire. Oui, il faut même pas défendre là. Bah là, c'est plus dangereux qu'autre chose. Ouais, mais là ils sont 5, hein, t'as vu, 5 en une Hein. seconde là. Et Titi, utilise ton ERS, hein, utilise-le. Il met pas le RS, Il est en Titi? train de me faire une Ah, bike. il est à 100%, Titi, vas-y, tape dans la batterie, bordel! Surtout que Titi, quand tu vas rentrer dans l'instant, tu vas récupérer 30 à 40%. Donc, Ouais, faut taper un peu dedans Mais quand même bon, pour là, défendre. ce serait peut-être plus dangereux qu'autre chose, l'état de ses pneus. On a Ruby qui a attaqué Stomy. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Belle bataille, j'espère Avec que là, ça va bien se passer, les freinages, les gars. ces belles voitures de toutes les Voilà. couleurs, là. C'est bien, Titi. Ouais, ça roule bien, hein, les gars. Ouais. Joli. La piste est large, on va dire. Voilà. Paula, meilleur temps. Ruby, il est bien remonté après sa petite catastrophe de tout à l'heure. Ouais. Et On a un coup maintenant, qui revient les. sur Charvik aussi. Oui, et l'écart entre Falco et Pancho, il rétrécit un petit peu. Ça veut dire que les médiums de Falco commencent peut-être un peu à souffrir. Ouais. Aïe, petite touchette, très légère, mais ça a l'air d'aller. Paulhame qui est toujours en embuscade, pas très loin derrière. On a Milané qui a le DRS à stupéfier Weiser. Gaffe, c'est un petit peu loupé. Et Roby, il est chaud patate, mon Ouais, gars. mais en fait, il met la pression sur Giga parce qu'il a l'air un peu en difficulté dans ce secteur-là. Obi-Wan, il fait une belle course. Hein. Et là, il attaque, il est très incisif. Hein. Il passera au contrôle antidopage après. Il a pissé dans la petite fiole. Il s'est fait une injection de vitamine comme Nasri il y a quelques années là. Ah, Falco au stand. Eh ouais. Et Milané qui est très très proche à 4 dixièmes de stupéfiant là. Oh, JB, 5 JB. secondes. Oh là là. Alors, il va nous mettre quoi, Falco? Les jaunes, hein, sans doute. Ouais, ok. Mais des jaunes. Ah, Ouais, j'ai une magnifique vue là. il va L'hélicoptère, voilà. attaquer. Et ça passe. Ouais, je pense que Falco a l'avantage des pneus, hein, largement sur Pancho maintenant. On va voir comment ça évolue. Il ressort juste derrière Paulhame. Ouais. Ah, ça va être chaud aussi entre les deux là. Aïe aïe aïe. Ah, accrochage. Oh là là. C'est une voiture Ouais, verte. Gigabs et puis Tommy peut-être. Stomy. Est-ce Je qu'il y a eu crois. des d'accès? Ah, on a Titi au stand. Bah alors 2 AK, je peux pas te dire. Ils étaient en tête Merde. à queue tous les deux, mais Attends, Titi s'était arrêté ou pas? Faut que je regarde ça. Non, 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 Titi, il avait une quinzaine, une vingtaine de tours, je crois, 17 tours, il me C'est semble. son premier arrêt à Titi là? Alors, Ouais. peut-être qu'il s'était arrêté, non, non, parce que 17 tours, non, non, il s'est déjà arrêté. Ah, exact, ouais. Ah Il oui, arrive ok, comme début. d'accord, ok.
Donc là, il fait il son a mis deuxième quoi, arrêt. les jaunes? Oh, il est bien, Titi, là. Ah oui, effectivement, Stommy a perdu son ailette gauche. Ah, Ah, merde. merde! Ouais. On a Kofer qui a un tour sur ses Ah, hards. et Robion aussi à gauche s'est cassé. Aïe Aïe, aïe aïe, aïe, aïe aïe, aïe, Oh là aïe, là, le plus beau et le plus sexy des pilotes qui a... Oh là là. Oh, il a pas de veine, hein, Robbie, parce qu'il est super rapide, Oh, mais attention, oh, attention, Robbie, il était proche là. il lui arrive des couilles en piste là, dommage parce qu'il a le rythme. Hein. Il a un gros rythme. J'ai retourné sur Polam là qui est très très proche de Pancho. Alors je me rappelle plus au niveau Ouais. des pneus. On est comment là? 7 tours pour Polam en jaune et 11 pour Pancho. Donc c'est à peu près équivalent on peut dire. Que pour le moment un co qui va commencer à faire de la perf avec ses pneus. Bon, pour le reste, Je pense que Pancho il se dit putain, il me faut une safety car. attends, je retourne Apparemment, sur la piste et je refais une safety car. Pancho aurait abîmé son ballon. Ah bon? D'après le chat, ouais. Il Ah, dit donc qu'il Roby vient de il est au dépasser. stand encore. Roby va mettre quoi? Qu'est-ce qu'il lui reste comme pneu? 28, 38, 48. Il faut mettre les jaunes hein, s'il en a encore. Il met les blancs parce qu'il a plus que ça. Les blancs pour Roby. J'espère qu'il a pris un mélange dur. Parce qu'il pourrait avoir deux jaunes et deux blancs. Il me semble. Alors évidemment, Polam il revient fort sur Pancho qui Ouais. va pas pouvoir défendre longtemps, je pense. Après, s'il arrive à suivre, il pourrait être avantagé, Pancho, parce qu'il pourra aller au bout. S'il arrive vraiment à bien gérer. Hein. Et Polam, il Ouais. sera en difficulté à la fin. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Polam a déjà 7 tours sur ses Ouais. jaunes. Par contre, Falco il est bien hein, au Falco, niveau lui, il des est très bien, pneus. oui. Ouais. Ouais. Et Milané aussi qui a 4 tours sur. Ah, encore un drapeau jaune, c'est où? C'est où? C'est où? Non, c'est bon, ça repart. Là, on a une belle bagarre entre Gigaps et Lucky Luciano. Gigabs, Lucky Luciano, c'est où? 6-7ème. Ah oui. Oh là, ça sort large pour Gigaps. Mais ils se sont probablement Ouais. un peu gênés pour ça. Et Titi qui a 1 seconde de DD là. Hein. Bon, il a. Bon. Il est en train de perdre un petit peu de temps. Mais on va surveiller Falco là qui revient très très fort avec ses pneus neufs. Oh Ah, oui, et ça rentre là. au stand pour Gigabs et Lucky Luciano. Les trois premiers, ça va être chaud. Hein. Ouais. Et Falco, c'est bon qui a accroché. Je vais Ah ouais? remettre sur les pneus pour surveiller là les arrêts. Et puis je vais retourner sur Ouais, parce que Gigap, Falco. il a 10 tours sur les médiums et Luciano que 5 tours sur les softs. Donc il Ouais. risque d'avoir un accro. Ouais, à mon avis, ils vont changer les pneus là, Ah ça. oui. Ils changent les pneus. Ah, Luciano, il s'arrête au stand. Ouais, il remet les jaunes. Ok. Et ça a D'accord. changé l'aileron? J'ai pas vu. Jay, j'ai pas vu. Là, je suis plus sur les trois premiers parce qu'ils Ouais, ont le pareil. DRS tous les trois là. Ouais. Oui, il a changé son aileron avant, oui. Ah, d'accord, ok. D'accord. Putain, la baise. Ouais. Bon, l'âme qui a du mal à accrocher le DRS. Oh, mais Ça quand se voit il va pas grand-chose, l'avoir. hein. Et il y a Falco aussi. T'inquiète, Falco, il est Ouais. en Drapeau embuscade. jaune, il y a une As qui est en difficulté au premier virage. Alors, Pancho, il tape C'est dans sa reparti. batterie, évidemment, c'est normal. Ouais. Et bah, un qui est bien, c'est Falco. Il a beaucoup de batterie en plus. Il a le Ouais. meilleur temps. Il vient de faire le meilleur tour. Milané, qui est à 12 secondes derrière, il va avoir du mal à rivaliser. Bon, après, il y a pas mal d'écart. Mais il peut encore se passer pas mal de choses. Il reste 20 tours. Alors, le DRS pour les trois premiers. Comment Pancho va résister au Et Dédé médium? qui est bien revenu sur un coup, hein. Ouais. Ah, c'est pas possible, je peux pas voir le truc. Dédé, il Ah, a trop doublé un tard. co. Ah, oui. Ah, Faut Dédé, il qu'il est en change la rouge. couleur de ce truc. Ouais. Bon, attends, je vais retourner devant. Ouais, je pense que là, ça va attaquer. Polam, il attaque là. Ouais. Là, il colle au fion à Pancho. Pancho, il a le souffle de Polam dans sa nuque. Chaleur. Tu sens mon souffle chaud dans ta nuque. Ça, t'es légèrement influencé par une certaine personne. Oh putain. Wow, c'était très très proche, C'est hein. beau ça, les gars. Oui. C'est ça qu'on veut voir, on laisse de la place.
Eh, regarde Falco. Oh, ils vont se toucher là, c'est pas possible. Attends, Falco, Non, 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 Falco. c'est intelligent, c'est bien. C'est Oh, bien il a joué. failli s'engouffrer, Falco. Ça roule bien. Ah ouais, c'est une belle bagarre là, les trois Ouais. premiers côte à côte. D'ailleurs, Falco. Ah, ça m'inquiète un peu, les freinages là. Qu'est-ce qui va se passer au premier virage? J'essaie de me mettre derrière là, voilà. Pour bien Ouais, voir. joli. Ça passe pour Falco. Il a l'air le plus rapide, Falco. Et tu vois, j'ai l'impression que le plus serein là-dedans, c'est Pancho. Ah ouais? Rouge, une voiture rouge. Ouais, en fait, tu vois, au niveau du pilotage, il a l'air d'être plus serein, tu vois. Ah, D'être plus ouais. patient. Et les Ah deux autres pilotes, plus agressifs. ouais. D'accord. Mais tout aussi talentueux, mais je sais pas, peut-être que. Ah, c'est possible, Il hein. va y aller plus. En plus, tu vois, il est assez hard. Ouais. Donc, bon, après, Falco, il a des jeux de neuf. Mais je pense qu'il va être patient, Pancho. Il Ouais, va ouais. essayer Puis de bon, les. Pancho, il est pas con. Il a bien vu que les deux devants, ils avaient des pneus médiums neufs, Ouais. moins usés que les siens. Il sait très bien que, de toute façon, voilà, il les laisse passer et puis il verra bien après. Hein, Ouais. ouais, il a l'air d'être un pilote plutôt serein, ouais, comme tu dis, ouais. Aïe aïe aïe, un co! Un co, il a cassé un Attends. co. Ah! C'est dans les stands ou. Safety Je sais car, non, pas. sur le Safety safety car, oui, car. va attends, sécurité. Attends, je Aïe suis aïe sur coffer. Je aïe suis sur coffer pour voir où est-ce qu'il a cassé. Bon, si, Il y a justement. Falco qui arrive dessus, hein. Il y a Falco. Où est-ce qu'elle est arrêtée sa voiture à un co? C'est Falco qui est dessus, Ouais, hein? bah, elle était en glim sur la voiture. Ouais, t'es Moi, je retiré. suis en glim. Ah Et là non, là. mais de l'autre côté, c'était Oh. tranquille. Alors là, les gars, safety car, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Safety car, il Alors, reste stand pour 19 tours. Gigabs. Gigabs qui va mettre. Parce que là, il y a des jaunes neufs, donc il va mettre des hard, voilà. Bah, Là, ça se faut que Pancho comprend, aille mettre des médiums. Hein. Faut que Pancho aille mettre des médiums. Hein. Et Milané aussi. Hein. Faut que Bah. tout le monde mette des médiums, là. Ouais. Par Ah contre, ouais. devant, ils vont avoir un. Bah, malheureusement, eux. Alors, Falco, il reste en piste. Il a des pneus neufs. Mais Paulhame, il est au stand. Il va JB. rechausser des pneus. Alors, on sait pas JB, il s'ils a ont mis des pneus neufs. Hein. des. JB, il a mis des jaunes, des médiums usés. Eh ouais. Rouge pour Paulhame! Non! Ah, il tente Ouh! 18 tours en rouge! Ah ouais, c'est osé, hein. Alors, Pancho, il met des médiums neufs. Ça, c'est bon, ça. Ouais. En vrai, ça se tente. Et Milanais, un tour pareil. Milané a des pneus Médium neufs 9, aussi. si, ouais. Ouais, ils ont un tour. Ouais, ils Ah, sont bah là, neufs. Milané et Pancho sont bien. Par contre, Paulhame, je m'inquiète un peu pour Paulhame. Paulhame, il risque de partir, mais le problème c'est qu'il pourra pas tenir le coup là. Ouais, Ou alors encore vraiment faut qu'il les partir. gère bien, mais. Il a intérêt de mettre la patate au début s'il veut Ouais. distancer les médiums. Hein. Et surtout pas de commettre d'erreur, hein, parce que. Ah, je La pense première que course c'est il l'a commis l'erreur. et tout à l'heure il en a mis. Enfin il a Ouais. loupé quelques virages. Ouais, À voir, bon sincèrement, écoute, je. ouais. À voir, mais pour moi, 18 tours, à mon avis, Ouais. c'est une erreur. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Parce que là, je pense qu'il mise sur plusieurs tours de la safety car, qui va diminuer le Ouais, nombre ah de oui. tours, Ah mais ouais. ça reste quand même très limite, Mmh. quoi. Ça, c'est vraiment, il les gère bien, mais. Non, remarque, non, t'as pas tort, hein, parce que regarde, si la safety car reste 2 tours en piste, il lui en reste plus que 15 ou 16 à faire. Eh, Ouais, 15-16 mais tours en rouge. tu sais, à partir de 25-30%, tu perds facile une seconde Ouais, au tour. Hein. c'est Alors que là, les clair. médiums, sont encore optimum. La C'est Charlie qui a mis sûr. des hard 9 et DD des médiums quasiment 9. Ouais. On a, ouais, Gigaps en hard, Titi DD 5 en tours avec ses médiums, médium. 6ème, c'est bien. Hein. Bien Bah c'est positionné là pour le moment. super ouais, Ouais. putain. On a Roby qui va sûrement rester en hard. Mais bon voilà, là toutes les voitures vont se regrouper. Roby va avoir du mal à rivaliser hein, avec les hard. Bon je sais pas. On verra. Ouais. Et j'espère juste que le premier virage va bien se passer. Ben Paulhame Qu'on il n'ait va être chaud. pas, qu'on n'ait Paulhame pas il une va être. sortie de safety car puis une rentrée de safety car. Je pense que Paulhame, vu qu'il a les rouges, il va se dire putain, faut que je le dépasse rapidement. C'est ça le truc, c'est que ça peut être dangereux. Eh ouais. S'il attaque dès le premier virage, parce que je sais pas où Falco va démarrer. Mais s'il le fait dans la ligne droite, en plein milieu de la ligne droite, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Mais s'il le fait dès le départ, il peut avoir l'aspiration et tenter de doubler Pancho au premier stand. virage. Pancho stand. Ah oui, mais il était déjà Pancho Pourquoi? stand. Lever un tour? Il se re-arrête, Pancho? Pourquoi? Ah, Attends, qu'est-ce l'aileron? qui se passe? Ah oui, on nous avait dit que l'aileron était endommagé. Et à mon avis, Oh eh ben il l'a pas mis sur Wii. putain! Donc il l'a pas changé. Oh non, Ah là Pancho! là. Donc il met les rouges. Ouais, bah Oh ouais. bah voilà comment on ruine une course.
Ah là 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 là. Après là pour Trop remonter chaud. il a pas trop le choix là hein, malheureusement. Je te jure, je vais l'engueuler quand je vais l'avoir en chat. Mais il va bousiller il va bousiller ses pneus en montant là à fond. Hein. Ah, Pancho, il a fait une bourde, là. Voilà, il va se retrouver dixième. Ah mais là ils sont éparpillés partout là les voitures. On va refaire un autre tour après je pense. Ah, maintenant, hein, Falco a 6 tours sur ses pneus, Titi aussi, et les autres, ils Ouais. ont des pneus neufs, hein. Moi je vois soit Falco soit Milan Ah et stupéfiant c'est que je derrière hein. Stupéfiant faut pas oublier qu'il a fait la pole, il a un très très bon Stupéfiant, tour. Ah eh oui. oui, stupéfiant Oui on qu'il l'avait a. oublié mais il est pas très loin là. Bah écoute, putain. moi je vois Titi gagner. C'est pas faux. Parlons sérieusement, C'est pas faux. Ah, Titi, s'il écoute le live, il va être fâché. Bah alors le petit bouton rouge là, il va éjecter les deux trois personnes. Mais Ah, c'est mais vrai que franchement, là, si. bah en fait le problème c'est que là va falloir suivre Paulham. Et ce qui pourrait être bien pour Paulham éventuellement, c'est de doubler et de s'éloigner, de prendre le plus de distance possible et Eh ensuite ouais. lever le pied, tu vois. Ça pourrait être la seule Eh. solution. Ça va être chaud. Ou s'il bombarde et que 10 tours avant la fin il y a notre safety car, c'est Ouais. possible que tout le monde mette des rouges. Et lui, du coup, il Ouais. aura de l'avance, il replonge dans les stands. Mais le problème, c'est que comme il sera leader, il sait pas si derrière ça va s'arrêter ou pas. Il y Ouais. aura toujours le doute, tu vois, entre ceux qui vont vouloir continuer avec leur médium. Ah, ça rentre. Ça va Là, pas ça va attendre. repartir. Ça attend pas les deux derniers là, entre Coffer et JB. Eh ouais. Là, ils ont Ouais. 3 tours max, hein, donc ils se sont dit, bon, allez. Ah ouais, bah écoute. Alors là, on va surveiller Paulhame avec ses Ouais. rouges, hein, parce que je pense qu'il va. Il y a Pancho aussi qui est en rouge, hein, il va être agressif, Pancho. Est-ce qu'il va démarrer tout de suite? Ah, y a, pas très bon départ, je trouve. Hein. Mais ouais, faut surveiller Milano Là, il est aussi allé qui est. progressivement. Alors attention, le premier virage, les gars. Pas trop de précipitation. Il reste encore Là, 16 tours, mine il de tente, rien. non, il tente pas. Il reste pas mal de tours, hein. Faut pas non plus. Ah, si, il est à l'intérieur. Ah, il a laissé passer, je pense qu'il voulait pas Il est le passé, gêner. Paulhame est passé, ouais. Ah, un peu large, Ah oui. avertissement là, hein. Avertissement là. Bah normalement Je le sais jeu il te pas. mène à Vertot là. Je sais pas, il y avait encore des roues sur la piste, donc je peux pas te Alors dire. là Paulhame il va mettre les watts, hein. On va voir s'il creuse. Et pareil, on a Stupéfiant là qui est chaud. Oh là là, les quatre premiers là. On a Crazy qui vient de dépasser Roby. On a Pancho qui vient de dépasser Lucky Luciano. Je vais juste Ça regarder un dépasse dans tous les truc. sens. Paulhame a déjà 1,7 seconde d'avance sur Falco. Voilà. Putain! Ah bah les rouges, ils sont Ouais, c'est extraordinaires, sûr. hein. Surtout là, Ouais, il c'est a vrai. beaucoup moins de carburant. C'est vrai que ouais, quand ils sont neufs. Et là, il y a Milané qui colle au fion à Falco. Est stupéfiant Ah. et éloigné là. Ouais, Stupéfiant. Il est un Ouais. peu perdu, il a peut-être fait une petite erreur. Il a dû Pareil, on louper a. la Putain, là, relance. c'est chaud. Entre Titi, Stomy, Pancho, là, Bah il y waouh. a Pancho qui vient de doubler Titi et Stevie qui vient de doubler Ah. Titi donc Titi il Pancho, va suivre remarque, le là, il rythme. est en pneu neuf, hein, Pancho, Ouais. des rouges tout neufs. Faut voir, mais bon, après, pour doubler, c'est pas facile, hein. Et regarde Paulhame, il n'arrive pas à distancer hein, malgré ses rouges neufs. Ouais, 1,3 seconde. Je te dis, les rouges, ils sont bien pendant 5 tours. Et Ouais. encore. Ouais mais bon là on a fait qu'un seul tour. Alors dans les secteurs sinueux ça risque d'être payant. DD, 3 secondes de pénoche. Ça fait quoi 9? Je crois que ça fait 9, ouais. Mais au niveau des pénalités, à part DD et Titi, et Titix, Ouais, c'est propre. ouais, hein, il n'y a pas de pénalité. Hein. Bravo. Alors, Paulhame a 1,7 seconde d'avance Ah, sur Dédé, Falco. Gigabs. Petite bataille entre les deux, il y a du monde là, il y a du people. Eh ouais, ça dépasse là, entre DD, Gigaps. Attention les gars. Mais c'est bien parce Ah ouais. qu'ils se touchent pas trop entre eux, les pilotes, c'est bien, Ouais. hein, Il y a franchement. le coéquipier de Guillaume, c'est juste derrière Dédé là. Il est pris en sandwich Dédé. Ah, les deux McLaren. Faut avoir l'œil de partout et c'est pas facile parce que tout le monde s'attaque.
ça. Il y a Pancho qui est juste derrière Ruby One qui lui est en blanc. Ouais. Donc je pense que ça Pancho va avaler Ruby. Ouais. Ouais, Pancho il est pas loin en fait, il est 7ème, mais ils sont tous devant lui, hein, juste devant lui. Hein. DRS activé. Ouais. Ruby One meilleur temps, une 32-8. Et la pénalité à Titix, il va s'en vouloir parce que ça pourrait lui coûter cher. Ouais. Il a combien de pénalités là? Je sais pas, j'ai pas regardé, tu veux que je regarde? Je vais afficher. 3 secondes pour Titix et 9 pour DD. D'accord, ok. Alors. A noter le meilleur tour du plus beau gosse de la session. Oh, ma carotte, ferme-la, s'il te plaît. N'empêche que Ruby One est repassé devant Pancho. Hein. Eh ouais, putain. Ah ouais. Il y a une belle bataille entre les deux. Et il est en blanc, Ruby One. Ouais. Alors, Paula me creuse un petit peu quand même sur Falco, une seconde vite maintenant. Mais il reste 14 tours. Milané, il attend l'opportunité. J'aimerais savoir comment Inco il a craché. Et ça passe pour Milané. Ouais, deuxième. Ou alors, vu qu'Inco il était malade, peut-être qu'il s'est pas senti de finir, qu'il est allé au stand abandonné, je sais pas. J'ai pas regardé, mais possible qu'il soit allé au stand. Pancho, il est passé cinquième, Pancho. Ouais. Il remonte vite avec ses rouges. Hein. Et il a le DRS de stupéfiant. Donc stupéfiant, il est en jaune. Ouais, ils sont tous en jaune devant, là, sauf Paul Ham. Inco est affiché en dégâts critiques, donc c'est bien. C'est ah bien merde. Ah. Ouais. Putain. Il me semblait que c'était à la fin du secteur 2 justement. Ah, ah ouais. Bataille aussi entre c'est Dédé qui s'est passé quoi pour Dédé là. J'avoue, je sais Est-ce pas. Est-ce que il y a eu de la casse ou pas? Non, on dirait pas. Je vais jeter un œil sur Gigaps. Je vais retourner là-haut, parce qu'il y a Atomic là qui est en bataille. Ouais. Ah, encore un drapeau jaune, c'est une As. Au premier virage encore. Peut-être JB. JB, oui. Ah merde. 2 secondes 3 d'avance pour Polam. Oui. Stupéfiant qui est juste derrière Falco. Bah, j'ai l'impression que en fait Polam là il doit craindre plutôt le bloc qui arrive derrière là. Stupéfiant, Pancho et Ruby One. Ouais, à mon avis, Polam il se dit putain, est-ce que je vais tenir avec mes rouges? Est-ce que je vais tenir avec mes rouges? Voilà ce qu'il s'est dit. Oh y'a, je crois que ça tapait derrière. Qui? Pancho et stupéfiant. Ah ouais? Ouais. Oh non. Ah, je suis pas sûr, mais il y a un bout d'aileron, à mon avis, de Pancho qui est cassé parce que stupéfiant a levé le pied pour pas rentrer dans Falco. Et Pancho a. Pancho, il manque un bout. Ouais, oh, et ça. Oh putain, Pancho, il doit être dégoûté. Ouais, ouais. Il a pas vu venir arriver le freinage. Pancho va au stand, est-ce qu'il a des rouges? La question, est-ce qu'il a des rouges? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y aura une nouvelle safety car? La question. Bah là, s'il n'y a plus de safety car, c'est mort, quoi. Oui, là, c'est plié, ça n'a plus... Il met quoi comme pneu? J'ai pas vu. Ah, mais des rouges. Des rouges, ok. Et Gigaps aussi, il a abîmé quelque chose. Je pense qu'il est au stand, Gigaps. Je sais pas, là, il est en hard de cette tour. Gigaps abandonne. Ah, il abandonne, Gigaps. Il a quitté, Gigaps. Oh, pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être plein de cul, hein. Ça s'appelle comme ça, non? Je sais pas. Enfin, plein les fesses, bien sûr. Il avait son aileron abîmé parce qu'il lui changeait son aileron. Alors, revenons. Robbie Wayne qui a 4 dixièmes de Titix. Ouais, putain, ouais. Par contre, Titi, il a chuté dans le classement. Il se retrouve 12ème, Titi. Non, mais c'est pour mieux repartir, Titi. Il va repartir. Voilà. Oh. Non, mais il était 5ème tout à l'heure. Je sais pas s'il a eu une couille ou quoi. Ah, bah, attention, voiture de sécurité. Tiens, safety car. Safety car. C'est quoi? Safety car. C'est Charvik, oui. Il est où, Charvik? Charvik, il est en orange. Mais pourquoi il sort? Mais pourquoi moi, elle est en noir, safety car là, putain. Charvik, moi, elle est en orange, hein, la voiture. Hein. Alors dorée, elle est pas en noir. Pancho, hein. Oh, Pancho, Drivestro, oh là. Ah, Charvik, il s'est trompé dans les couleurs, hein, je pense. Non, Charvik, il a plus d'aileron. Ouais.
Ouais, ça, ouais. Ouais, oui. Par contre, ouais. Mais alors les gars, donc si j'ai bien compris, ils sortent la voiture de sécurité Ah, Pancho, deuxième drive-through. parce que Oh là Charlie a là. pété son aileron. Bah, il Pancho, semblerait, oui. qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 Et là. du coup, ça rentre au stand pour tout le monde. Et ouais. Oh, mais c'est Crazy Titix qui est en tête, les gars. Les 10 derniers tours Ah, en rouge. Pancho, par contre, Pancho, il est... Alors, je sais pas si c'est un bug, mais là, c'est son troisième drive-through. Ouais, je sais pas. Ou alors, il a lâché l'affaire et il va au stand abandonné, je sais pas. Ah, c'est Putain. dommage, vraiment là on Là, était à 10 j'avoue, tours et putain, on a Pancho. les abandons qui arrivent. Ah, non, Disqualification c'est bien Pancho. 3 drive-through. Nombre Eh, excessif de pénalités et de drive-through. je sais pas, ouais. il nous racontera si c'est un bug ou pas. Non, il Hein. y en a eu 3, hein. Peut-être la quatrième, mais non. Ouais, Est-ce mais qu'il quand a fait même, gaffe? il Ouais, non, à mon avis là. C'est le Ou deck alors il a bar, pas ouais. fait gaffe, je sais pas. Bah, sous safety car, tu peux pas bombarder, hein. Attends, je vais regarder les pneus à TTX, moi, quand même, parce Ah, que ça Pancho. Là, je suis m'inquiète. dessus, là, il a 7 tours avec ses médiums. Et à savoir, Ah, 7 tours avec ses Ouais. médiums. Du coup, Pas je suis mal. chassé devant Pancho. Ouais, tu vois ce que je disais, il a Ouais. tenté justement et il a tenté justement rester en tête. Il va essayer de l'emmener jusqu'au bout. T'as fait une Là, ça belle passe, course hein. quand même, Makarov. Hein? Ouais. Bah, tu vois, j'hésite entre faire un best-of et diffuser la totalité de ma course. Bah, Tu tu vois, demanderas des conseils à Barrichello, d'accord? Hein? Barrichello, il connaît bien ça, donc tu pourras lui demander conseil. Votez pour le pilote du jour, Makarov. J'ai même pas atteint la fin du premier secteur. Oh putain. Bon, apparemment, il y aurait un bug avec Pancho sur la safety car. Merde. Putain, mais Donc, je comment sais ça se passe quand c'est pas. comme ça? Alors, il perd tout, C'est-à-dire, quoi. quel Ah, bah genre de là, de bug? toute façon, oui, on peut rien faire là, disqualifié. Pourquoi c'est le Delta qui a chuté d'un coup ou c'est. Bah, Si. 3-4 fois, ça semble bizarre. Si on peut avoir un peu plus de Putain. détails. Il y a des trucs qui marquent qui n'ont pas de Pancho, Delta il. apparemment. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, par contre, tout le monde est en rouge, en neuf, là. Ils ont gardé un train de rouge neuf. Ils sont tous en rouge neuf, sauf Dédé, Lucky Titix. Luciano et Crazy Titix. Crazy Titix. Alors, à mon Ouais. avis, déjà, Dédé, c'est mort parce qu'il a des pénoches. Crazy Titix aussi. On va remettre les pénates, ouais. Et Trois Lucky secondes. Luciano, il a 10 tours sur ses médiums, donc je pense que ça va se jouer entre les rouges. Hein. Alors, attention, Voilà. Titix, il peut encore jouer le podium. Pas forcément la victoire, mais s'il arrive à bien gérer. Mais c'est vrai que ça va être compliqué avec tous les rouges qu'il y a derrière. Il reste 10 tours, hein. Hein. Ouais, mais justement, tu vois, au bout de 10 tours, tes rouges, ils vont être usés. Bon, là, tu peux aller au bout, hein, mais tu vois, les pneus, ils vont être un petit peu moins performants à la fin et tu peux peut-être glisser. À voir, bon, après, de toute façon, Pancho a un triple avertissement instantané. Putain, il nous racontera si c'est un bug. Voilà ce qu'il a dit, que c'était un bug, mais bon. Bah, de Hein? toute façon, il a la vidéo Pancho, donc ce serait bien de pouvoir voir. Mais bon, là, on va rien pouvoir faire, de toute façon. Non, bah non. Un joueur qui est disqualifié, on peut rien faire. Là-dessus. On va faire la course demain, hein? Même pas C'est lui. ça. Même le point de présence? Non, le point de présence, il sera là. Il était présent. C'est un bug. Alors, vous misez sur qui, les gars? Qui va gagner? Allez, Alors, dites-moi un nom. ouais, Qui moi va je dis gagner? Paul avant. Paul avant. Allez. Et toi, Jay? J'hésite entre ouais, Paulhame et puis Stupéfiant, parce que Stupéfiant. Ah ouais, c'est vrai, il y a Stup aussi qui est rapide, hein. C'est Stupéfiant, dur, s'il arrive à bien passer hein. Milanais. Donc Milanais, c'est. Ah, c'est pas son coéquipier, du coup. Donc s'il arrive à passer Milanais et ensuite être derrière Paulhame, je pense ils peuvent doubler Lucky Luciano. Et Titi, ce sera une formalité parce qu'il a la pénalité. Et Roby qui était très très rapide aussi en début de course. Mais bon, il est huitième, hein, il y a des voitures à doubler quoi. Bah, Falco, il est rapide aussi. Hein. Et Eh oui, Stupéfiant, devant, Falco. il est un peu plus rapide, donc. Alors, les rapides, Paulhame, Milanais, Stupéfiant, Falco, Roby qui ce soir est très rapide aussi. Ouais. Je pense que ça va se jouer sur les 5. Et Ayrton, qui tu vois toi gagner? Putain, c'est dur à dire. Bah, Paulhame, Ouais. il a l'avantage parce qu'il est premier, mais les autres auront le DRS. Pouah, je sais pas, sincèrement. J'ai Peut-être le envie de dire meilleur. Milanais, moi. Je vais tenter Milanais. Peut-être le meilleur pilote du groupe, hein, qui est Roby1 bien sûr. D'accord. Pour moi, le plus rapide, c'est Falco. Hein. Pour moi. Mais là, il est septième. Et pour Bah, doubler, ça va être simplement, ouais. compliqué, ouais. On va voir où va relancer Crazy Titix. Est-ce qu'il va lancer tout de suite ou un peu plus loin?
Il relance maintenant? C'est pas son fort les relances. Hein. Ouais, non, tu vois, il a été ralenti, il est parti trop tôt, je crois. Ouais, il y a eu un petit ralentissement. Alors. Je sais pas si Paula m'a topé avant la ligne. Bah, on saura très rapidement. Je sais pas. S'il a une pénalité, c'est qu'il a doublé avant la ligne. Oh, stupéfiant, et Falco, il s'attaque là, il s'attaque, il s'attaque. Ouais. Alors, c'est celui qui va pas faire d'erreur déjà. Ouais. Pas de touchette, faire une Russell. Pas de touchette. Parce que là, les murs sont très très proches. Ah oui, là. À vide, tu vas beaucoup plus vite. Ah, j'ai confiance. Hein. Ouais. Et là, Falco, il est vraiment dans l'échappement de. Méchant, là. Ouais, ouais, je suis sur lui. Ouais. Belle bagarre. Ah, ça défend bien. Ah, il y a Dédé Falco qui en a profité. Ça, c'est Dédé. Oh là là, ouais, c'est non, elle peut passer. C'est ouais. Bordel, c'est n'importe où. C'est proche. Attends, je vais regarder devant. Moi, derrière, je crois que Stomy a touché, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça nous annonce une fin de course palpitante. Ah, mais maintenant, il nous faut une réalisation avec deux caméras différentes. Ouais. On a pas assez de moyens là. Ouais. On a Milané qui va sûrement bientôt attaquer Lucky Luciano qui est en médium. Je pense que Milané va bientôt le doubler. Et devant c'est pareil hein. Attends, je vais mettre sur Polam moi parce que. Ah, ça tape. Ah, ça tape. Ah, ça tape pour Polam. Il a tapé le mur. Non. Il a touché le mur très légèrement, ouais. Dans le dernier virage, il a pris large. Milané est passé devant Lucky. Milané est troisième. C'est tendu. Hein. Ouh, et ça passe. Ah, ça c'est. Non, ça passe. Attention, faut être un peu patient. Hein. Polam, il a les rouges, il sait que Titix a les jaunes, donc s'il est un peu patient, il va doubler. Oh là là, ils sont à 4 là. Ouais. Ils sont à 4 ensemble. Ils sont en pub là en ce moment, ils loupent tout ça. Non. Mais vaut mieux qu'elle arrive maintenant la pub plutôt qu'à la fin. Ah, oh, c'est dommage. Ouais. Putain. Tu peux pas les virer les pubs là? Non, on peut pas. Avec les cibles de l'éclair. Ah, oh, c'est la connerie, ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, ils le verront dans le replay, tout ça, là. Donc, Là, y a, dès bien, que le DRS va être activé, Polam va se manger du poulet de Titix. Les gens, si vous voulez plus de pub, bah, il faut vous abonner. Ouais. C'est ce que Mika a fait tout à l'heure, il s'est abonné. Oula, c'est... Oula. Oula, attention, les gars. Ça passe, Polam est passé. Attention, le petit coup de roue, là, qu'il y a eu. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Alors, Polam est passé, maintenant, c'est Milané qui va s'attaquer à Crazy. Mais il faut que Milané dépasse rapidement Crazy parce que sinon Polam va s'échapper. Ouais. Et faut pas oublier Stupéfiant Weiser qui est juste derrière aussi. Pendant Falco, Kobe il est un peu. C'est avec Lucky Luciano. Falco à 2 secondes 4, il reste 8 tours. S'il lâche pas l'affaire, ça peut le faire. Je vais remettre les. Allez, DRS activé. Alors, DRS activé, DRS activé. Ah, c'est beau ce qu'on voit. Tu sais, j'ai fini en sueur moi la course la semaine dernière. Ah, pareil. Oh, alors en nage. Ouais, c'était dingue. Hein. Bataille entre coéquipier Titi et coiffeur. Makarov en sueur au bout de deux virages. Oh, j'ai exténué. Lol. Esponge, jacouille. 3 dixièmes, hein, Ruby One. Ouais, on surveille ça, ouais. Et Crazy Titix il tient bien Paola oui. Pour l'instant, il reste juste derrière. Donc, ça peut être bénéfique pour Crazy Titix les batailles de derrière. Ouais, ça peut ralentir. Et là, ça va passer pour Roby One. Ouais, Roby qui passe Falco. Ouais. Ah, il a un sacré rythme, hein, Roby One ce soir. Hein. Ouais. Ah, Titix qui va rater de peu le podium. Et Coffard vient de doubler Titi derrière. C'est en train de s'amuser là derrière je pense. Voilà, et Milané qui a le DRS sur Crititix. Oh non, oui. Il préfère être prudent mais là. Ouais. Ouais, il va bien sortir. Là il est collé là. Là il. Ils ont tous les deux le DRS je crois. Ouais. Voilà, donc Milané se retrouve deuxième. Oh et derrière t'as Stupéfiant qui en profite. Hein. Regarde Stupéfiant, il y va. Ouais, à l'intérieur, oui, il y va.
Aïe, trop Ah, prudent il là. va pas, il a Il eu va raison. décroiser, si, il décroise, il décroise, et c'est beau. Ah, c'est Ah, beau. c'est beau, C'est ah, magnifique. c'est Magnifique, quel magnifique. dépassement. À montrer dans toutes les écoles de Toutes les F1. bonnes écoles, je dirais même plus. Ah là, les gars, franchement, je crois que le podium, on l'a. Hein, je pense. Parce que Roby, il est quand même à 2 Oui. secondes et demie. Ah, peut-être, ouais. Oui. Ah, je pense que le Dans quel podium, on ordre, par l'a. Hein. contre? Dans quel ordre? Moi, j'ai dit Ça. Milanais, hein. Mais ouais, Ah stupéfiant, bah il a je l'air bien aussi. Hein. vois. Ouais. Oh là, ouais. Peut-être devant stupéfiant. Stupéfiant, il a l'air bien aussi. Putain. Je vais juste regarder les batteries. 79 pour Polan, 62 pour Milanais, 62 pour Oh, stupéfiant. attention, ça tape! Oh non! Polan! Oh non! Oh non! Oh Aïe aïe aïe! Et vous l'avez vu en direct sur la chaîne RES! Ce petit Incroyable! car! Incroyable! Attends, C'est mais qui? C'est Polam qui s'est loupé, je crois, hein? Il a tapé Ouais, le mais mur et c'est... du coup, c'est Milané qui l'a tapé, qui a pas pu esquiver. Et le pire, attendez, le pire, c'est que les quatre premiers, du coup, ont une pénalité et Robbie One peut gagner. Eh ben, Eh c'est oui! Robbie One qui va gagner. Le meilleur Ben, Robbie One safety qui... Ou car, Falco, ou Falco. Oh Ouais. putain! Mais en fait, Incroyable. ils se sont touchés tous les quatre, en fait. Bah alors je sais pas pour CreditX, mais en tout cas les trois Non. devant ça a Oh là tapé, ouais. Parce qu'en fait Polam s'est loupé dans le virage, il a tapé le mur. Ça Oh l'a remis au milieu de la po piste et po puis po po. Milané n'a pas pu le louper. Et ils vont tous au stand, Ouais regarde. ouais ouais. Alors si. Si tous les autres. Voilà Oh bah Robin Wall voilà, ils iront pas. Ouais c'est putain. normal hein, c'est normal. Ah bah Polam il Ah a Polam abandonné. ah là là. Dommage Ah ouais Polam. mais là c'est ouais mais ça c'est pas cool d'abandonner, il reste 5 Ah tours. ouais. C'est dommage ouais. Après, je peux comprendre, il doit se sentir coupable par rapport aux deux autres qui jouent aussi au Ah podium. Et puis... peut-être. Oh Ah Titi! Titi. Oh Oh là non là! Titi. Non! Ah oui, c'est scandaleux là! Titi. Ah Oh putain Titi! Eh, il Titi, tu doit vas faire râler 50 en tours de disqualifié. terrain après! 50 tours de circuit Disqualifié. après! Ah c'est bon! Waouh. Bon alors les gars, maintenant le podium va changer. Je vous l'annonce. Ah bah oui Ah bah ouais, là... obligé, il reste 5 tours. Et... Ouais, Dédé qui part entre du coup. Bah on a le podium là en fait, hein, Roby, Putain. Falco, Stemi. Parce que je vois pas Stupéfiant et Milané remonter là, honnêtement. Ah, que de Ah rebondissements. vache. Alors là, Falco, À Obi-Wan, moins je sais pas. que les pneus neufs de Stupéfiant et Milané fassent la différence. Ouais, mais ils sont loin. Non, ils sont Ouais. trop loin. Ils sont 8 et Ah oui, 9. je sais, ouais. Mais bon, ouais, on sait jamais, mais c'est vrai que Tu sais, là, il va rester quoi? 3 tours quand la safety car elle va les libérer. là il reste 6 tours. Donc si elle ressort maintenant, il va en rester 5. Ah, elle va refaire un tour la safety car encore, je Tu pense. penses? Je sais pas. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, ils vont se tirer la Ouais, il bourre va faire un autre tour, ouais. là. Les trois premiers. Bon, après, Dédé, il a une pénalité malheureusement pour lui. Même Kofer, t'as vu, sixième Kofer et à Ouais. mi-course, il était dernier Kofer. Il Ouais. était dernier Kofer. Bah, Koffer, s'il arrive à suivre Dédé, bah, de toute façon, Dédé, il a quoi? Il a 9 secondes, je crois. Putain. Ouais, je crois, Donc, ouais. ouais, 9 secondes. Donc là, Koffer, il a moyen de aller chercher une P5. Voire même peut-être une P4, parce que peut-être que devant, il y en a qui ont des avertissements. Donc, Macad, d'ailleurs, tu peux regarder devant s'il y a des avertissements. Genre, s'il y en a un, qu'il y en a deux. Parce que là, ça risque d'être tendu à la relance. Salut Vini! Waouh. Ah, c'est chaud. Je m'attendais vraiment pas à la fin là, cette. Oh la vache. Ce triple accrochage là entre les trois premiers. Et du coup, ben. Ouais, ça relance totalement la course quoi. Donc ils vont être libérés au début du 47e tour, je pense. 47, 48, 49, 50, il restera 4 tours. Ouais. Bon, Ah, ça va Stupéfiant être Weiser a des compliqué. pneus tout neufs comme Milané et JB, mais ils sont loin. Pour moi, ils sont trop loin. Ouais. Mais bon, avec tout ce qui se passe ce soir, on ne sait pas. Peut-être que devant, ça va toucher encore. Hein. Ah bah après Mais oui, avec on tout ce sait qui se pas. passe... Il y a apparemment Paulin qui s'excuse, il a raté son freinage et il s'est trompé. On voit sur Ah le circuit. putain. C'est des endroits assez sinueux et il y a des virages qui se ressemblent pas mal. Donc des fois tu peux te perdre et puis tu peux penser que C'est c'est vrai. un double gauche ou un gauche droite. Et des fois t'es paumé en fait et
Tu te trompes. Ah tu là, vois, ouais. il doit être frustré, hein, il doit être vénère, Ouais, il sans aurait dû continuer un déconner, petit peu quand même. ouais. C'est vrai qu'il aurait pu continuer, même pour principe, tu vois. Mais bon, je peux comprendre que. Je peux comprendre, ouais. Alors là, à mon avis, les deux premiers là, ils sont chauds comme la braise déjà, on l'a vu depuis le début de la Ouais. soirée. Pas de problème, Paula, mais envoie un petit message en privé au gars et puis t'inquiète. Alors, est-ce que va libérer les pilotes la safety car? Non, mais on comprend, Paula, t'inquiète. Après, c'est les choses qui arrivent, hein, c'est malheureux, mais bon, voilà. Bah ouais. Ah, Chupinetto, c'est Ibrella? Ah bah putain, oh là là. Qui ça, Chupinetto? Il marque à l'Ibrella, donc c'est peut-être que lui. Mort de rire. Quel comique aussi celui-là, alors. Il y a un sacré paquet de comiques hein, chez vous à la Je vois pas du tout de quoi tu parles, alors vraiment. RES là. Et encore, il y a des. Ouais. Entre les fous et les comiques, bon. Il n'y a personne qui les récupérera. C'est vrai que certains, normalement, ils devraient pas être en liberté. Certains dépassent les bornes. C'est ça. On les a relâchés trop tôt. Barrichello, je suis sûr qu'ils se sont visés là. Ah, je n'ai visé personne. Et là, la safety car, elle rentre pas au 47ème tour, hein. Putain, mais qu'est-ce Parce qu'elle que branle la Titi, safety bah ouais, mais Titi, en car? fait, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû rentrer au stand. Ah Et ouais, du il coup, casse ça a les couilles retardé d'un Titi. tour. Oh, sérieux? Ah ouais, Il va bah. rentrer encore, toi. Oh alors. Il va rester 3 tours. Voilà, ça va être un sprint de 3 tours. Là, ça va attaquer, là, ça va être chaud. Je pense que ça va mal se passer, moi, je sais pas pourquoi. Bah, j'espère pas, écoute, hein. 3 tours comme ça, Ouais, quand la safety 3 car est tours, au lâche, ils vont ouais. tous vouloir attaquer, là, tu vas Alors voir. moi j'espère juste que bon là c'est Robyman qui va être devant, qui fera attention avec l'écart avec la safety car, qui Ouais. relance pas trop tôt pour avoir un gros freinage du jeu et de, bah du coup créer encore des accidents derrière. Bon. Je regarde la course directement du Haps. Ouais. Qui c'est qui dit ça? Chupinetto. Allez, Ah Keblo le gars. Ouais. Didier doit se dire putain, dommage que j'ai ma pénalité. Ah, sur Habs TV. Ah, quel décodeur, j'ai rien à savoir, tu vois. Fleury-Méringis. Mon Atiti qui finira dernier, enfin dernier, non pas dernier, 12e, mais il doit être un peu déçu hein, quand même. Décodeur du bled. Ouais. 4 GRR à la queue leu-leu, oui. Ça risque d'être intéressant là pour les pilotes GRR. Alors t'en as un qui est quand même pénalisé, mais Ouais. il y a 3 autres GRR qui peuvent briguer le podium. Bah Stommy et Falco, ils sont bien Ouais. placés là. Hein. Ouais. Bon, Dédé, je pense pas qu'il Bah non, bah c'est mort pour résiste. Dédé, ouais. Non. Parce que Ça Kofler sert et à Charvy qui sont rien. en rouge derrière. Stupefier Weiser, il va être remonté comme une Ouais. pendule. Ouais. Je vais On va remettre les suivre pneus là ça de avant près. la fin. Allez, ça va redémarrer. Attention les yeux. Bah Falco, oui, il a l'air d'avoir un petit avantage. Quoique, en fait, ils ont Ah, tous les Roby, il est deux 8. rapide, hein. Ouais, Robbie One, il est rapide, il a 8 Eh tours oui! également. Ouais, Et sincèrement, mais bon, Falco a l'avantage dans le sens où il aura peut-être le DRS dans le dernier tour, Falco. Ouais, c'est pas Ah, faux. peut-être. Et Ouais. encore, je sais même pas. Dans 48, 49, 50. Non, il l'aura pas. Il l'aura avant. C'est pas 3 tours, je crois, alors dans le safety car, c'est un tour ou deux maximum. Ah bon? Ouais. Ah, c'est C'est reparti reparti! là. Alors. Est-ce que Falco va tenter d'attaquer le plus vite possible? Il déboîte déjà à l'intérieur? Non, il Derrière, il y a de la marge. se range Non, je pense que là, derrière. le mieux, c'est de mettre là les coups de pression et puis d'attendre. Faut attendre le dernier tour, je pense. Et Stupéfiant qui a réussi à dépasser Charvic, son ancien coéquipier, il me semble. Je crois, oui. Ouais. C'est un petit peu loupé là pour Robbie One. Il doit avoir la pression au bout là. Ouais. Pourtant, il a l'habitude, hein. Il a déjà gagné le groupe 2 il y a 3 ans. Ah ok d'accord. C'est un ancien Ouais. champion le groupe 2, donc Ok donc il a de l'expérience d'accord. voilà. Il va savoir gérer ça. Alors faut surveiller aussi un peu plus loin derrière, autre stupéfiant. Et Milané Ah qui passe Charvic. ouais, Milané qui passe Charvic.
Mais Milané, il a déjà une seconde et demie de retard sur Stupéfiant. Ouais. Un Stupéfiant qui est dans les échappements de Koffer. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. C'est sûr. Très très proche. Hein. Ah, oh. Là. Là, enfin, attention, tout à l'heure, on a eu un accident. Stupéfiant qui avait ralenti et Pancho qui l'avait tapé dedans. La victoire va revenir. Ah. Très très proche aussi derrière. Hein, là, ça Stummy, il l'avait, hein, cette victoire aussi. Hein. L'année dernière, il est passé pas très loin de remporter quelques victoires. Et, Il est bien Stummy là, hein, à l'aspiration derrière les deux là. Non, je suis trop loin. Ça va tenter, je me mets derrière justement, je regarde. Ça passe pour Falco. Falco est passé. Intelligemment, Roby s'écarte et va pouvoir le suivre. Oh, il s'est un petit peu loupé là, je crois, Falco. Milané double propre. Koffer et JB Charluc. Titix c'est Charluc également. Stupéfiant est 6ème, Milané est 7ème. Bon, je pense que derrière c'est plus ou moins figé. Mais il y a encore Luki Luciano qui peut piquer la 4ème place à Dédé. Hein. Dédé a des pénalités. Et Stupéfiant ah oui, il est juste derrière. Hein. Et Stupéfiant il vient de doubler Luki Luciano là. Ah ouais, de toute façon, Dédé, il va se retrouver en queue de peloton avec ses 9 secondes de pénoche, lui. Dernier. Ouais. Ah oui, bah là... Alors, dernier, ça va dépendre s'il arrive vraiment à... Ah, Milané a passé le Luki Luciano. Ah, c'est Chris Titix, là, qui s'est un petit peu foiré, je crois. Ou qui a eu un... Bon, je sais pas. Allez, il va rester un tour et demi, là. Et on va suivre les leaders. Je me mets sur Stummy, la troisième position, comme ça, on peut voir la bataille devant. Ouais. Et je pense que là, ils ont le DRS. Non, pas encore. La Milané, donc, il va attaquer Stupéfiant là. Restez devant, hein. Moi je suis sur la 5ème place, voir si Milané l'attaque. Si Roby One arrive à bien gérer, il pourra balancer tout son ERS dans le dernier tour. Allez, dernier tour. C'est un peu raté dans le dernier virage. Il y en a qui clignotent. Ah, il y a là, il y a le DRS activé, mais ça va être juste. Hein. C'est le dernier tour. Ouais. On a Stupéfiant qui passe Dédé pour la 4ème place. Ah, ça se bat encore. Hein. Eh, Dédé il repasse, il lâche pas l'affaire Dédé. Et ils on a Milané qui secondes, va passer Dédé. Ouais. Ah là, Stupéfiant et Milané ont passé Dédé. Je sais pas, mais Falco, on dirait qu'il il a vraiment du mal avec. Je pense qu'il est très usé et là il a du mal. Ah, Koffer, non, la peine. Ah là, je pense que c'est fini les gars. Ouais, je pense que. Une seconde d'avance. Par contre, Stummy, il est à 2 dixièmes derrière Falco. Oui. Ouais, on suit les deux là. Les deux GR qui vont se battre. Crazy TTX, 3 après, ils sont coéquipiers tous les deux, il me semble. Hein. Donc, donc, est-ce qu'il va y avoir consigne? Par contre, Obi-Wan, il a 2 avertissements. Donc, il est pas. À surveiller, oui. Putain. Ah, Falco, oh là là, Falco l'a cassé. C'est pas possible. Oh putain, dernier tour. C'est pas possible, il nous a fait une Russell. Incroyable. Encore. Putain, j'ai. Attention parce que là, Stummy il est revenu dans le DRS. Hein. Attention. Oh hein. Vache, que de rebondissements dans cette. On va suivre Stummy là, mais attention. 6 dixièmes. Il revient très proche. Ah, ça va être dur, ça va être juste. Ah, bah non, mais il y a un autre DRS après là, justement. Ah, mais c'est l'arrivée là, c'est fini. Oui, là, c'est hein. l'arrivée, mais attention. Hein. Oh là là, alors là, les batteries, les gars, ça va vider. Hein. Ouais. Roby à 10%, attention. Roby à 10% et Stummy. Attention! Stummy va ah, c'est. Oui, ouh là là là! Putain! 56 millième! Putain! Oh la vache! 56 millième! Ah, c'était chaud! Roby One! Waouh! Quelle course, bordel de chiottes! Quelle course! Aïe aïe aïe! Et quelle remontée de Stupéfiant et Milané qui finissent 3ème et 4ème! Je pense qu'on est aussi crevé que les pilotes. Hein. Ah oui, là. Wow. Et Titi fait 7ème à l'arrivée. Putain, mais alors. Ah, Titi, incroyable. Comment il a crashé dans le dernier tour. Merde, Falco. Non, mais... Oh, Titi. Titi, pilote du jour. Incroyable. Incroyable. Bah, honnêtement, je pense que c'est la plus belle course depuis un petit moment. Et pourtant, il y a 2 semaines, on avait une très belle course déjà du groupe 2. Ouais. Et ça enchaîne encore. Quelle course alors! Une belle année qui se profile là, ouais. Superbe course! Écoutez, moi je veux bien interviewer le vainqueur, hein, bien sûr. Hein. Moi j'interviewe personne. Hein.
Pas de problème, D'ailleurs, je me demande même si je vais pas vous laisser faire tout seul et aller me coucher. Oh, allez! Bah, je me lève tôt demain, moi. Eh oui, ah, lève-toi. Ah, oui, c'est vrai. Je vais rester. Non, mais après, peu, tu pourras écouter la rediff dès demain. Ouais. Y a pas de problème. En t'abonnant au premium de la. Ouais, bien sûr. Ouais, je vais t'envoyer le lien. T'inquiète pas. Du coup, bah, victoire de Obi-Wan à 56 millièmes devant Stomy. Eh, je suis pas sûr, mais c'est peut-être l'écart le plus faible qu'on ait jamais eu, hein, nous, l'IRS. Dites-nous dans les commentaires, je sais pas du tout. Mais ouais, en tout cas, belle remontée de Stomy à la fin. J'ai vraiment cru, hein. Oh, mais il est impressionnant, franchement. Et j'ai pas compris, en fait. Je pense que quand il y a eu le drapeau jaune, Obi-Wan a ralenti, a levé le pied. Et c'est quand il y a eu le crash. Et c'est à ce moment-là que Stomy a réussi à le recoller un peu. Parce que Obi-Wan avait plus d'une seconde d'écart d'avance sur, sur Falco. Ah, Falco doit être vert. Ah, vert, ouais, là, vert. Ouais. Mais c'est bien pour le spectacle. Ah ouais, franchement, là, pour la course, je pense que ceux qui ont regardé le live, ils se sont régalés. Ouais, ah ouais, clair. Mais ouais, ouais, belle course, hein, vraiment. Ouais, chapeau les gars, ouais. Ça fait plaisir. Hop, on va aller à un showroom. On va aller chercher cette magnifique Williams. Bah, je trouve honnêtement, c'est la plus belle voiture du plateau. du coup, attends, parce que j'ai même pas fait gaffe, mais qui a terminé 3ème alors? Parce que Stomy 2ème. C'est Stupéfiant Weiser. C'est Stupéfiant? D'accord, ok, bon bah super. Il semble, hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est Obi-Wan, Stomy, Stupéfiant. Ouais. Ouais. Je vais inviter. Bah, du coup, alors attends. On va inviter Obi-Wan. Ouais, Stupéfiant, 3ème quand même. Hein. Ouais. Putain, bah super. Hein. Stomy. Obi-Wan. Et franchement, je comprends pas pourquoi le jeu n'a pas mis Makarov en pilote du jour. Hein. Bizarre. C'est un bug. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Ah là 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 là. Salut. Salut. Salut Stomy. Vérifie bien que t'as bien partagé ta voix. Attends, ça. Je vais vérifier. Attends. Paramètres de la partie. C'est bon, ouais, t'as partagé ta voix. Je vais voir si je peux augmenter le son de ton micro. Je vais le faire là et puis salut, on va Obi-Wan. Salut. Salut Obi. Salut. Vérifie tes. Vérifie que t'as bien partagé ta voix avec nous. Paramètres de la vocale. Si Allez, pas partagé ta voix, je viens de vérifier. T'es sur PS4 ou PS5? T'appuies sur le bouton PlayStation, tu ouvres la partie vocale. Quand t'es dedans, tu vas sur les trois petits points à droite. Tu appuies sur le bouton PlayStation. Donc là, normalement, tu dois avoir chat vocal avec nous, nos petits logos là. Tu nous vois? Donc, voilà, tu vois trois petits points. Et ensuite, tu vas dans paramètres du chat vocal, tu fais autoriser. Ou paramètres de la partie, dans paramètres de la partie plutôt. Ouais, tu dois. Je sais plus en fait, là je peux pas vérifier parce que ça va mettre un. Tu mets activé. Voilà. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Nous oui, mais on t'entend pas dans le live, toujours pas. Non mais tu autorisé, dois... ça y est. Voilà, c'est autorisé ta voix, voilà, c'est ça. Allez, bonsoir à tous, donc personne m'a entendu, mais j'ai rien dit, donc bonsoir à tous. Là c'est bon, je confirme. Et Stupéfiant, okay, Stupéfiant nous a rejoint aussi. Ouais. Ta voix est partagée ou pas? Stupéfiant. Oui. Je sais pas qui est troisième, j'ai pas fait attention. Stupéfiant. Ah, bien joué. Bah, vous êtes pas trop en âge? Vous êtes pas trop en âge, les gars? De fou. Ah ouais, grave. Oh, j'ai... C'est pas loin, Obi-Wan. Pas loin. C'est bon, ouais, je confirme. Bon. C'est pas ah, Stomy, je suis. Ouais, je. Bah, comme tu sais, j'ai un pilote. Un bout d'aileron.
Un pool de roues. Bah ouais, en fait, t'as fait une accélération au dernier virage qui était hallucinante parce que bon, t'es revenu sur moi comme une balle quoi. Alors que j'avais. J'avais un petit VRS et tout. Ouais, bon, ça on en parlera, vous allez débriefer de toute façon. On va commencer par le troisième, du coup, c'est stupéfiant, c'est bien ça, j'ai pas fait attention, mais ouais, c'est bien ça. Donc on va aller sur la Red Bull. Bah écoute, ce stupéfiant, tu peux nous parler un petit peu de ta qualif parce que t'as fait la pole. T'as fait vraiment une très très belle qualif. Ouais, vas-y, je laisse la main. En vrai, la qualif, j'ai mis un premier train de pneus où j'ai fait deux tours, un sans ERS et un avec ERS. Ouais. Et après, je me suis relancé vraiment à la fin et j'ai fait un gros tour. Enfin, un gros tour. Je pouvais encore un petit peu améliorer, mais j'ai fait un très bon tour. Ça s'est joué à 7 millièmes, hein, il me semble. Ouais, si je me rappelle bien. Ouais, c'était super serré, ouais. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu partais sur quelle stratégie là pour cette course? Alors là, je partais sur un jaune, rouge, jaune. D'accord. Et est-ce que tu avais anticipé des safety cars? Est-ce que tu avais anticipé une deuxième stratégie au cas où? En fait, là, j'ai rien anticipé du tout parce qu'il m'arrivait que des couilles pendant la course. Mais alors, vraiment, je crois que la troisième place, j'étais là à chercher. Bah, parce dès que le vraiment. Départ. Ouais, dès le départ. Mais les feux, ils ont été ultra longs, mais vraiment, hein, c'est abusé. J'ai eu le même coup que Widi la semaine dernière et vraiment, du coup, et ça s'est joué à même pas une demi-seconde en vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En vrai. J'ai été un peu en colère parce que j'ai déjà niqué ma course en vrai. Ouais. Mais ouais, je me suis dit, j'ai déjà niqué ma course. Après, avec toutes les safety qu'il y a eu, en vrai, le DT. Voilà. Et puis après, il m'est arrivé plein de péripéties pendant la course. Comme beaucoup de pilotes, hein. Il y a beaucoup de pilotes qui ont eu que des couilles ce soir. Hein. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de réclamations. Enfin bref, du coup, j'ai vu 2-3 petites notifs là qui apparaissent là, dans le Discord. Donc, T'inquiète, tu vas avoir la mienne dans pas longtemps. Du coup, en fait, déjà première chose, il y a, je sais plus, j'avais les blancs. Non, attends, je m'arrête et je mets les blancs, je crois. J'avais les jaunes. Non, j'avais les jaunes. Je m'arrête une première fois, je mets les jaunes. Et il y a Koffer, j'étais derrière Charvik. En fait, j'ai anticipé le freinage pour vraiment dans la ligne droite d'arriver, pour vraiment le déboîter après dans la ligne droite. Et je pense que Koffer, lui, il n'a pas anticipé. Donc après, je n'en veux pas. Mais du coup, il m'a tapé l'arrière de la voiture. Je suis parti en tête à queue. D'accord, ah oui. Et du coup, ça va, il m'a pas endommagé l'aileron, mais bon. Et du coup, je me suis arrêté, j'ai mis les blancs. Et puis, je me suis arrêté pour mettre des jaunes. Et puis là, les safety cars ont commencé à arriver. Ça fallait s'en douter, la fin de la course, tout là, avec la fatigue et tout, il y a beaucoup de pilotes qui ont fait des erreurs. Et puis, il y a un petit pilote qui est parti au large, qui s'est trompé, à mon avis, de ligne droite, qui est parti au large et qui est revenu en plein milieu de la piste. Ah, et qui a, je pense, niqué soit la victoire de... Enfin, qui est désolé, du gros mot, mais en vrai, je pense qu'il a enlevé la victoire soit à Milané ou soit à moi en vrai, parce que on était bien avec Milané et je pense que. Tu parles de Paulhem qui était devant vous. Ouais, il a envoyé des messages, il s'est excusé et après il est allé au stand pour abandonner parce qu'il voulait pas relancer et prendre des points à d'autres pilotes. Il s'est excusé dans le live, il vous enverra un petit message. Il était vraiment désolé, en fait, il s'est trompé. Il était fatigué, il s'est trompé de virage, tout simplement. Du coup, elle a tapé le mur, et voilà quoi. Donc du coup, enfin bref, bon, après, même s'il est sorti là, j'aurais dû rester sur la gauche de la piste pour nous laisser passer parce que on était juste derrière. Du coup, on a dû s'arrêter encore une fois avec Milané pour mettre des rouges. Et puis après la fin de course, ça a été chaud dans le dernier virage avec Milané. Parce que je pensais qu'il allait me doubler avec la vitesse de pointe. Au final, je sais pas pourquoi, il avait peut-être cru qu'il y avait le DRS. Et en fait, non, du coup, il a freiné bien avant. J'ai pris le virage assez serré et puis il n'a pas réussi à m'avoir dans la ligne droite. Donc, du coup, voilà. Tu croyais à la fin? Parce que tu revenais progressivement, mais bon, tu avais quand même une grosse marge. Enfin, que tu doubles pas mal de pilotes. Pour le podium, j'y ai cru quand je me suis arrêté. J'y ai cru pour la victoire. Je savais que Stommy et Robbie, ils étaient partis, donc c'était impossible.
Bah, disons que là, sans le crash de Falco, ça aurait été compliqué pour toi. Hein, le... Ouais, j'aurais le fait quatrième. Ouais, donc, ouais c'est ça. Bon, en tout cas, Mais bon. t'as fait une belle course. Ouais, Malgré quand même les petites péripéties. péripéties, Ouais. tu méritais le podium et du coup, bah, tu termines troisième. Et C'est le puis, principal. félicitations à Robbie et Stomy. Ouais, ils ont fait une Ah belle ben course aussi. merci, Ouais. ils ont fait une belle course aussi. Félicitations, bravo à toi aussi, hein. Ouais. Podium, quoi. Ouais. Ouais. Ah bah c'est cool en tout cas. Voilà. Bah écoute, de toute façon, on te retrouvera dans 2 semaines en Australie. Ouais. Australie, Où j'ai gagné l'année tu vois dernière, je comment? suis. Ouais. Bah, écoute, l'année dernière, j'ai gagné le Grand Prix, donc Inch'Allah, j'ai regagné le Grand Prix. Bah écoute, on te le souhaite, hein. Ils l'ont modifié le circuit, fais gaffe, hein, c'est pas les mêmes virages. Oh merde, alors En tout cas, bravo encore à bon. toi et puis bah Ouais, super bien rythme. joué et puis voilà. Merci. Gros rythme, ouais. Ouais. Encore bravo. Ouais. Si l'un de vous deux veut poser des questions à Stomy. Bon, non, simplement quand Paulhame il a crashé là et qu'il voulait Ah, tu restes sur. envoyer. Oui, une dernière Ah, question ok, pour le d'accord. stupéfiant Weiser. Quand Paulhame il s'est cassé la gueule et que ça vous a obligé à vous réarrêter au stand, toi et Milané, là, que tu t'es retrouvé 8e et 9e avec Milané. Ouais. Vous vous êtes dit, non, c'est mort, c'est fini, j'ai plus aucun espoir, ou vous avez pas lâché l'affaire en vous disant, on ne sait pas encore ce qui peut se passer, on peut encore y croire. Bah, sur le coup, j'étais fou. Bah ouais. Vraiment, dans la, j'étais en vocal. J'étais fou. Après, ce qu'il y a, c'est que je me suis arrêté. Je me suis dit, il va rester peut-être 4 tours pour essayer d'aller chercher au moins le podium. Et ce qu'il y a, c'est que ben, il y avait Titi encore derrière qui traînait là. Et du coup, on a encore perdu un tour. Oui, on l'a dit dans le live. Mais du coup, non. Après, j'ai doublé Charvic rapidement et puis après, ben, Oui. j'ai cru au podium. Bah bravo, hein, parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Vous avez fait Non, une non, sacrée remontée les 10 derniers tours là pour non. avec Ouais. Milané, c'était bien. Ouais. Chapeau. Ouais, bon, en tout cas, Merci. ouais, bravo à toi. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Ça marche, pas de soucis. Stomy, es-tu avec Oui. nous? Oui. Oui. Stomy, on va commencer à prendre l'habitude en fait de te voir sur les podiums, je pense. Déjà l'année dernière, t'as fait quelques beaux podiums. Ouais, ça Donc, commence à remplir ouais, l'étagère, voilà, attention. c'est bien. Il va falloir acheter des étagères un peu plus larges. Ouais, mais bon. Raconte-nous un petit peu tes qualifs, toi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais optimiste ou pas par rapport au chrono? Est-ce que le circuit, il te plaît? Est-ce que tu as du mal? Est-ce que tu es à l'aise? Raconte-nous tout. Franchement, Calife, voilà, je compte vraiment pas dessus. Hein. C'est Ouais. vraiment, ça passe ou ça casse, on verra. Ça se fait tout sur la course, quoi. C'est pas sur un tour qu'on gagne une course. Toi, t'es plus. Tu Course. mises tout dans la course plutôt que les Ouais. qualifs. Les qualifs, de toute façon, Ouais. Voilà. ça, c'est pas représentatif dans une course. De toute manière, tout peut être chamboulé par une safety car. Ben oui, regarde au premier virage, j'étais coincé, je suis par Gibbs, je crois. J'étais vraiment coincé, vraiment à l'intérieur. C'est surprenant quand même. Donc voilà, le temps que le peloton trouve son rythme, et puis voilà quoi, et c'est avec les stratégies. Niveau course, ben, j'ai eu 5 secondes de PNA avec vitesse dans les stands. Aïe Ouais. aïe aïe. T'es inscrit au stage d'ailleurs. Hein. Ça fait Donc râler ça. tu vas avoir un stage pour les pénalités abusives comme ça là. C'est pas Ouais, possible. mais je sais pas qui a pris le panneau, mais il n'y avait plus le panneau en tout cas. Ah, c'est Ah vrai? merde. Ah, bon. Ouais. Et j'étais C'était là, une mais. ruse. Ouais, je Après, sais vous pas êtes qui censé est le. savoir où est la ligne, donc. Ouais, mais bon, on est tellement concentrés, Voilà. voilà. Et pourtant, je pensais être à. Je crois c'est 60 ou 80. Ouais. Non, c'est 60. C'est Ouais. 60, elle. Euh, je, Je sais je, pas. j'ai un doute, Qui dira mais ça au juge? ça doit être Ouais. 80 là. Je crois qu'il n'y a que à Silverstone et puis à Non, il me semble que c'est Singapour. 60. C'est 60, je crois. C'est Bon, 60, hein, il me semble. ouais, peu importe, peut-être, je sais plus. Mais ouais, du coup, tu t'es fait avoir. Ouais. Ouais. J'ai eu une belle bataille avec Robbie One aussi. C'était chaud aussi avec. Je sais plus avec qui. J'ai bourré dans le derrière, je sais plus à qui. Ça m'a coûté un aileron. Du coup, j'ai dû rentrer pour mettre les blancs. Et heureusement qu'il y a eu les voitures de sécurité qui a sauvé un peu la mise, quoi. Ouais, ils t'ont remis dans la bataille. Dans le flow, ouais. Et
franchement, avec Obi-Wan, le dernier virage, dernier ah là 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 là, il ça s'est joué un poil de cul, hein. Un poil de cul, un hein. Poil de ah cul pour, oui. pour la première place. Ah, je vais te dire que voilà, vous avez voulu du spectacle, vous en avez eu du spectacle. Ah bah là, je peux vous dire dans le live, vous allez voir. 56 centièmes d'écart entre les millièmes ouais. Même. Oh putain. Terrible. Franchement, j'étais derrière Falco et je disais vas-y Falco, pousse, pousse, mais lui il était dans un autre vocal. Il a fait une recette. Pousse, pousse. Non, l'année oui, prochaine, pousse... l'année prochaine ils pousseront la ligne d'arrivée sera 10 mètres plus loin, donc ça va pas. Mais franchement, voilà, dans son malheur, il avait fait quand même une belle course aussi. Oui. Voilà, bravo à lui aussi. Mais est-ce que tu te voyais sur le podium avant que les trois premiers aient l'accident? Est-ce que tu y croyais encore? Non, ça mais bon, la dernière voiture de sécu, ouais, ouais. Voilà, la dernière voiture de sécu, je me suis dit, oh, on rentre pas, ouais. Garder les rouges. Il y en a certains qui sont rentrés, je sais pas pourquoi, mais bon. Bah, c'est des leaders justement, ils ont eu un crash. Ouais, ben oui. Ah, le premier a eu un crash, okay. Ça a emmené ouais, le deuxième voilà. Et le troisième. Voilà. Ouais. Faut avoir le donc, petit bonhomme de la chance quoi, avec soi de temps en temps. C'est hein, ça. Donc voilà, ah, et, faut, hein. Souvent quand il reste 2-3 tours comme ça, c'est des one shot, donc on pousse au maximum quoi. Ouais, c'est ouais. Ça. Ça passe sa casse, ouais, exact. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ouais, bravo pour ta P2, et du coup, tu te sens comment? Est-ce que tu as commencé déjà à t'entraîner un petit peu, enfin, ou à voir un petit peu comment ressemblait, à quoi ressemblait le circuit de Melbourne? Non, pas encore. Pas encore, donc c'est ta surprise. J'étais focus sur Jeddah, donc je vais bientôt m'y mettre, ouais. Vraiment très okay. Il y a 2 semaines, hein, ça va, il y a 2 semaines. Ouais, ouais. Ouais, mais bon. Non, mais les mecs qui ont déjà tâté le terrain avec le mode My Team ou le mode carrière, tu vois. Ouais, mais bon, sans plus. J'ai encore en tête. L'Australie, ouais. C'est un circuit où on casse facilement les voitures. Ah, cette année, il est casse-couille. C'est hein, ouais. Ouais. Il y a juste ouais. Une portion, je crois, c'est dans le secteur 1 qui, quand il y a le soleil qui tape là. Ah oh ouais, ça c'est chiant ça. Ouais. Du mal à me repérer là. Ouais, pareil. Ouais. Ok, bah écoute, félicitations à toi, belle deuxième place. Ouais. T'étais vraiment très très proche de la victoire, mais ah ouais, ouais, très aujourd'hui, proche, ouais. Ah ouais, c'est vraiment. Joué à vraiment très très peu de choses. Et... Peut-être sur la prochaine fois. Je l'aurai. Je l'aurai un jour. Mais bien. Je l'aurai un jour. Eh oui. Bravo encore à toi et puis on se retrouve dans 2 semaines. Bravo. 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 Ouais. Et on accueille le vainqueur du jour, Obi-Wan. Bravo Obi-Wan. Ben merci. Bah ouais, écoute. Donc t'as fait ton petit passage en groupe 1 et en groupe 2. Voilà. Peut-être que ton entraînement a payé. Mais non, absolument pas. Celui de la semaine dernière avec les confins. Mais, t'as eu quand même un peu le coup du sort avec l'accident des pilotes leaders. Ouais, ouais. Donc, ça t'a pas mal aidé. Mais t'as fait une très très belle course. T'as eu un très bon rythme, même s'il y a eu quelques petites erreurs. Mais en tout cas, on a vécu vraiment une très très belle course avec toi. Et, ah, magnifique course, hein. Ouais, ouais, ouais. Parle-nous un petit peu de tes... Exactement le contraire de la semaine dernière, ouais. Carrément le contraire, puisque je me suis fait chier le dernier, puis là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça, sur la piste, enfin, quoi, être actif, avec des mecs à côté de toi, devant, derrière, et c'est puis cool, hein. Le premier, voilà, je renoue avec la victoire, ça fait vachement de bien, ouais. Après, je pense qu'il y aura d'autres circuits moins bons, puisque j'avais déjà couru la semaine un peu habituée, je ne me suis pas entraîné depuis, mais bon, j'avais les repères. Ouais. Rapproche-toi de ta connexion internet hein, parce que ça coupe. Oui, mais c'est mon casque. Tu sais que j'ai un problème de casque. Ah oui, et bah on bouge plus alors. Donc, d'accord, j'essaie de plus bouger. Voilà, bon, raconte-nous. Ouais, raconte-nous tes qualifs. On va avoir ton point de vue sur ce que tu as fait ton chrono. Je suis parti. J'ai attendu d'abord un peu. Décontracté, voir la voiture tourner, quel temps il faisait. Et puis après, je suis parti, mais tranquille. Quoi. Le premier tour, ça a été plus un essai qu'autre chose. Et le deuxième tour, ouais, forcément, là, j'ai tout. Et je crois que j'ai fait meilleur qu'en groupe 1. Je crois que j'avais fait moins bien que ça. Ouais, possible. Et, je sais pas comparer. Je crois que j'étais 8. Deuxième, je suis passé 3e. Deuxième, puis c'est Falco qui m'a. Donc, Polam, je crois.
Et puis voilà quoi, bah, comme d'habitude, hein, les qualifs, j'essaye d'avoir une, comment dire, sécurité au pilotage, pas me prendre les murs, donc du coup, je prends pas trop Ah de risques. Et c'est après en course que je veux d'accord, faire bien ouais. les. Ça, et puis ça va mieux quoi. Et en course, du coup, tu partais sur quelle stratégie de base? Alors de base, c'était jaune, rouge, jaune, bah, comme Jaune, tu rouge, jaune, donc. dis. Jaune, rouge, jaune, Ouais, ok. ouais. Ouais. Sauf que bon, il y a eu problème. Ça fait gigab, je crois, c'est ça? Gigaz, au début, il a eu un accident avec Maca, Voilà. ouais. Il y a un Et donc accrochage, ouais. on s'est retrouvé, il s'est retrouvé en travers au premier virage. On était, il y avait avec nous, on était trois, et s'est retrouvé perpendiculaire face à moi en plein premier virage, quoi. Donc j'ai rentré dedans, j'ai perdu la moitié D'accord. des ailerons des deux Ouais. côtés. Donc je suis parti au stand et puis j'ai changé de stratégie, je suis parti en blanc, quoi. Du coup. Ouais, pour aller plus loin possible, ouais. Ouais, c'est ce qu'il y avait Terminé, de mieux à faire. voilà. Hein. Et Ouais. ensuite, il y a eu, comme disait oui, il y a eu la série de safety car qui a fait que, bon, Ça a redistribué les finalement, cartes. à Ouais. 11 tours de la fin, on décide de mettre les rouges, quoi. Et puis Ouais. après, on bouge plus. Hein, c'est sûr. Et Bah, donc, ouais. après là, j'ai tout donné pour monter. Je crois que j'ai mangé Titi, ça n'a pas tardé, ça n'a pas traîné. Après, il y en a quelques-uns qui ont fait des erreurs. Donc, T'en as profité. et puis les autres sont rentrés dans les stands. Là, j'ai pas compris. Bah Moi, justement, le je. leader a tapé le mur, il a rebondi en plein milieu de la piste. Et malheureusement, c'était derrière lui, c'était Ah, Milanais. ils ont été stupéfiants, Milanais. Milanais, qui ont dû Voilà, s'arrêter. Ouais. Milanais Pour a changer tapé. les. Milanais a tapé, il n'a pas D'accord. pu éviter Paulhame. Ok. Et ensuite, Stupéfiant a essayé de ralentir, mais j'ai vu taper le mur, enfin le pilote devant lui également. Donc Donc, c'était un obligé de enchaînement, rentrer, bien sûr. ouais. Ouais, Ouais, parce qu'en malheureusement. vrai, j'aurais pu essayer de l'éviter, mais Ah, mais au faut être milieu de réactif. course 2, c'était Ouais. compliqué. Bah ouais, c'est Ouais, ça. ça va Ouais, trop vite, c'est. hein, ça va Et trop puis vite. ça, tu peux pas le prévoir. Quand t'as les leaders devant Ouais, toi, tu dis pas, ils vont oui. avoir un pet, quoi. Donc Bah, ça arrive comme ça d'un coup. Donc, ouais, du coup, bah, t'as pu profiter des erreurs des trois premiers, et puis. ouais, je l'étais Bah. donné, bah, parce que moi, je pensais que c'était pour avoir des pneus neufs qui partaient juste pour ça. J'ai dit, mais Ouais. waouh, c'est incroyable, hein, ils me laissent la porte ouverte et Alors là, tout. ça aurait été Bon, une ben, grosse allons-y. erreur stratégique, quoi. Là, c'est clair que. Allons-y, ouais. Ouais. Non, mais je pense qu'il y aurait eu un tour de plus, Tommy m'aurait mangé, je crois. On Bah, il s'est était trop battu le intelligent. dernier tour. Il était intelligent Ouais. parce que du coup, il a pas, il a, enfin, il a profité du DRS à la fin. Il a pas, il t'a pas doublé dès qu'il pouvait. Je pense qu'il a pas voulu. J'étais trop loin. Ouais, Ouais. bah justement, Et ça t'a oui, permis de te pas. rapprocher. Ouais. Mais je pense que d'un autre côté, c'était le meilleur truc à faire parce que tu l'aurais doublé dans la ligne droite. Vous auriez été côte à côte dans le dernier virage et ensuite lui, il aurait peut-être eu le DRS sur toi. Et côte à Mais je côte, crois celui qui a le DRS, c'était foutu après. je peux aller voir avec le temps que Sommy remonte et enfin remonte et on aurait pu se battre 2 ou 3 tours de plus, voir ce que ça donnait, quoi. Et bon, bah, c'est comme ça, il y a 50 tours, hein, voilà. Je pense que c'est le seul moment qu'il a bien serré les fesses, je crois. Ah, Mais tout le monde en a serré non, les fesses. non, je vais te dire un truc, Sommy. Franchement, j'ai failli lâcher l'accélérateur, quoi. Ouais, je lui laisse Ah la ouais? victoire et puis je dis non. Putain, ça fait trop Ah longtemps que non, j'ai pas gagné. si tu Et lâches, c'est pas Marquez, juste. Ah oui, toi aussi, non. hein. Ah ça, puis on l'aurait pas accepté, ça. Faut aller au Oui, bout. voilà, donc j'ai Faut joué le jeu gagner. jusqu'au bout, quoi. Voilà, Donc voilà, non, non. On j'étais donne pas pas du le tout. temps. Ah non, Mais t'as j'avais une raison, grosse c'est ce qu'il envie, fallait hein. faire. J'avais une grosse envie de lever le pied. Hein. Parce Aïe, que, bon, aïe, ben, aïe. je m'y. Ben, il faut se mettre à ma place. Hein. Je sors du groupe 1. Bon, on voit Mais le niveau que j'ai oui. par rapport au groupe 1. Dis donc, je suis entre deux chaises, donc c'est très compliqué de me placer. Mais. Là, cette année, je m'entraîne beaucoup moins que je m'étais entraîné à l'époque quand j'ai remporté le titre. En plus, Il y a F1 trois Racing, ans. il Verracing, ouais. aurait été là dès le début du championnat, c'est lui qui gagnait, hein, Verracing. Ouais. Oui, Verracing, il n'était pas pilote Donc groupe 2 voilà. normalement, donc Puis, c'est juste qu'on lui ouais, donne la enfin place. bon, Ouais. là, au dernier virage, je me suis Et dit, je vais essayer de prendre une meilleure trajectoire que par rapport à toi, tu vois, et c'était le essayer de cas, la hein. mettre au maximum. Ouais, Parce que ouais. j'étais sur toi et tu rattrapais. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, hein. Ouais, On aurait été en mais je Azerbaïdjan, tu disais passais, hein. qu'il revenait. Ah oui, Ouais. Il largement. Ouais. revenait, mais comme 1 000 balles, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Bon, Bon, en mais tout une fois que je cas, la ouais. termine, celle-là, l'année Ouais. passée, j'ai fait crash.
Non, mais ça motive pour la prochaine course, ça c'est bien quoi. Parce que t'as failli, ça. moi je Parlons de pensais la pas gagner. confiance. Puis bon, quand je suis rentré à l'instant, j'ai changé les. Je me disais, bon, il y a quand même du niveau hein, devant pour rattraper. Bon, ben merci les voitures sécurité. Sans ça, c'est vrai que sans aucune voiture sécurité, j'étais pas là où j'étais. C'est-à-dire que ça a beaucoup d'incidence par rapport à la course. Ah Faut pas se ouais. cacher, quoi. C'est un Donc, circuit très compliqué, donc on ah s'attendait oui. à des safety cars. Ouais. Ouais. C'est des virages en aveugle aussi, donc Ouais. s'il suffit qu'il crache un qui spin devant, t'arrives, bah trop tard quoi. Ouais. Et j'ai failli faire la même que l'année passée, hein. Y en a un qui était en tête à queue devant moi, j'arrive, hop, un petit coup à gauche et au D'accord, même ah endroit, au même endroit, hein. Je dis c'est pas vrai. Ouais, ça a été Pas con. aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, Robiwan, bien joué à toi. Hein. Et puis, Magnifique, quoi. ouais, Magnifique course, c'est belle bien, on te victoire. En revoit fait, au haut niveau, quoi. j'ai des souvenirs des. Je sais plus très bien qui c'est qui avait, mais parce que c'est arrivé plusieurs fois où on s'est retrouvé à trois dans un virage. C'est arrivé plusieurs fois où on était. Et puis bon, moi j'avais deux qui se battaient devant moi. En début de course, ça n'arrêtait pas. Je suis revenu, j'ai passé. Falco et je me retrouve premier, il me suit et puis après j'ai fait la bêtise que Non, la t'as vu. bêtise Une grosse oui sortie de j'ai piste là, où t'es parti loin là. oui parce que Putain. je croyais qu'on était dans les virages suivants si tu veux avec Ah, les S1 c'est l'erreur qu'a eu Paulhem justement en tête. Ah, Oui ouais, oui d'accord. mais c'est quelque chose qui arrive assez Ouais. fréquemment Ah ouais, et putain. là ça m'est arrivé quoi et Ah mais ouais, quand putain. le truc qui T'étais arrive premier, bah, tu c'est t'es trop retrouvé tard. dixième. Voilà, donc j'ai joué le jeu et bon ben j'ai remonté hein, puis T'as pas voilà. lâché l'affaire, hein. C'est bien. Franchement, on s'est vite rendu Non, compte non, qu'il y non avait parce que Falco et toi qui j'étais, étiez au-dessus. Hein. ouais j'étais C'est à l'aise. stupéfiant, les trois Ben j'étais allé là. sur ce circuit, je sentais bien la voiture et tout. Ouais, vous étiez rapide. Elle avait une réaction vraiment comme je voulais et voilà, je me suis régalé quoi, franchement. Et donc ça motive, t'as envie de continuer quoi. Parce que Bah ouais. bon, oui, ça m'arrive en groupe 1, bon, bah, ouais. Ça va changer quoi. Bah, toi, mais le groupe 1, attends, les mecs devant, Mais ouais, il y a trop de différence, c'est pas. Ah ouais, ils sont trop Oui, rapides, j'ai les moins de mecs. training qu'avant, je passe beaucoup moins de temps au volant. Donc, et en plus, à l'époque, j'étais à la manette, et aujourd'hui, je suis au volant, j'ai un moment d'adaptation énorme, Eh j'ai oui. beaucoup de temps à gérer. Et c'est pas fini quoi, donc je pense pas que j'ai le niveau que j'avais à l'époque quoi. Eh oui, le Et volant, je me faut se sens à ma faire. place, franchement, dans le groupe 2, je me sens à ma place. Je pense pas gagner toutes les courses facilement. Enfin, je me suis battu là quand même. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a du niveau, le niveau Ah oui, il y a a un bon niveau évolué. dans le groupe 2, hein. Ouais, tout à fait. Franchement, il y a quelques Ouais, pilotes. Ça roule donc bien, hein. voilà, je suis pas. Ok. Je pense qu'il va y avoir d'autres victoires pour d'autres Ah pilotes, oui, d'autres bah, c'est sûr situations. C'est que. Ouais. sûr, Après, il y a eu beaucoup d'erreurs de Ah ouais. pilotage et ce qui a conduit à des passages au stand, malheureusement. Donc, Il y en a voilà. plein qui Ouais, et peuvent puis ça. gagner, hein. Ouais. Ils sont bien Là, il. 7-8 pilotes à pouvoir Voilà. gagner, hein. Ouais. Ah Alors, ouais, c'est sûr. je souhaite que mon pote, il soit aussi cette année. Qui ça? Bon. Makarov? Lui là? Ton Lui là? coéquipier? Lui? Qui c'est qui ton Ton frère. coéquipier? Le meilleur de tous les coéquipiers parce que c'est un Ben ouais, non vrai mais pilote qui a Maka, gagné aujourd'hui. c'est une Moi, je arnaque suis ce super gars content d'être avec Maka parce que c'est notre star à nous, les Mais tu sais, médias et tout, et puis je Robiwan, suis avec lui. Ouais. quand on te regardait piloter, on avait l'impression que c'était un ange qui volait au-dessus du ciel. Putain. Qu'est-ce qu'il faut pas avoir comme connerie, putain. Non, mais attends, il m'a dit que j'étais le plus beau. Alors, je lui ai C'est rectifié, vrai? évidemment, t'as dit que c'était Titi le plus beau. Bah, tu es plus beau, j'ai Après, rien il m'a dit, dit, ah oui, t'as raison, oui. Bah, c'est cool, les gars. Ouais, En tout bon. cas, ouais. Bien joué à Mais toi, ouais, Roby. Et voilà, super ambiance. Et puis, je me suis Ouais. régalé. Je pense avoir embêté personne. J'ai eu un contact avec Dédé à un moment. Ouais, c'est parce Alors, que je sais. j'étais en Mais bagarre avec bon. toi. Ouais, c'est possible. C'était. C'était 1, 2, 3. Le quatrième virage, là. Alors, j'espère qu'il n'a À pas gauche. eu. Ouais. Bah, il a dû Yes. rentrer au stand parce que je crois qu'il a eu une petite casse d'aileron.
Ah ouais, bah ouais, parce que c'était. Bah, Enfin de toute voilà. manière, j'avais déjà entamé mon dépassement et je suis resté vers l'intérieur. Et j'ai pas eu le choix de freiner un peu plus tôt pour essayer de le repiquer à l'intérieur, quoi. Et Et je crois oui, que du coup. t'as été surpris aussi. Et Ouais, voilà, c'est quoi. possible. Ouais. Mais Voilà. après, bon, voilà, pas tenter le diable, j'ai pas. Il y avait deux qui se battaient devant moi, je les laissais faire, j'attendais, avec patiemment, et puis ça a payé, quoi. Et puis t'as Ok. pas d'emmerde, quoi. T'as pas d'ennui, Ouais. tout se passe bien. Voilà. Ouais. Voilà, Par je suis contre, ouais, très satisfait. Roby. Ouais, Roby, on va pas trop développer parce qu'on t'entend vraiment pas très bien. Ça a énormément de Ah oui, coupures. d'accord. Ouais, c'est assez Donc, compliqué, c'est sûr. ouais. C'est compliqué de te suivre, on arrive à comprendre les grandes lignes, mais voilà. En Et tout cas, ouais, continue au bien joué. micro. Bien joué à Je vais toi, en tout cas. investir alors. D'accord, bien Voilà, joué. il faut que tu investisses, hein. Un champion doit investir normalement. Ouais, c'est C'est clair. ça, Voilà. les meilleurs. Ah, je suis obligé là. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, bien joué pour ta course, t'as fait une très très belle course, ainsi Ah bah que pas mal merci d'autres beaucoup. pilotes Ouais, qui bien ont joué à été tout le plus monde, hein. malheureux Sincèrement, on a vu une belle Ouais. course. Hein. Ouais, Merci, carrément. merci. Ouais. Surtout C'est très Maca, hein, qui gentil. a fait une très très belle Ouais, course. merci. Maca qui rentre au Panthéon au même titre que Barrichello à Imola. Bah, j'ai Donc, fini 19, hein, et je suis pas rentré au stand. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as économisé les On trains verra nocturnes, ça Pirelli te remercie. demain. Pirelli te On remercie. verra ça demain sur le Voilà, c'est live. ça, ouais. Ouais, ah, tu vas pas être déçu. Bon, en tout cas, je remercie tous les spectateurs qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis tout au long de la soirée. Je remercie tous les pilotes qui ont joué le jeu, hein, parce que Ouais, c'était compliqué super. aujourd'hui. On a eu les bugs des livrées, les bugs des performances. Et du coup, chaque écurie a dû préparer une livrée spécifique en rapport avec leur propre écurie. Donc c'était original et j'espère que le bug sera corrigé rapidement. Mais bon, c'était plutôt cool, tout le monde a joué le jeu. Ouais, c'était bien, ouais. Ouais, c'était sympa. Merci du coup Ayrton qui m'a De rien, avec accompagné. plaisir, ouais. Et puis malheureusement pour lui, Maka qui nous a également suivi Merci. Bah, j'ai et fait un rejoint. plaisir, je sais, je Je lui ai sais. Et proposé rejoint. de commenter. Bah, du coup, bah. Il est allé direct, quoi. Voilà. C'est sûr. Et puis Ok. voilà, merci à tout le monde. Merci à Titi pour le championnat. Parce que du coup cette Ouais. année on a vraiment deux groupes Ouais, magnifiques c'est quoi. chiant. On Hein. a Oh du spectacle dans les deux groupes cette ouais. année, c'est un truc de dingue. Donc Il y a j'espère que ça beaucoup va de durer monde et jusqu'à la beaucoup fin. de spectacles. Ouais, c'est ça. Donc Les j'espère que grilles ça va sont tenir jusqu'à pleines. la fin de l'année. Et puis merci à tous ceux que j'ai oubliés, alors je sais pas qui vous voulez, Bouddha, Dieu, enfin votre voisin, votre sœur, j'en sais rien, enfin peu importe. Merci à tout le monde, bonne soirée à tous. Et puis la semaine prochaine avec Maka. Oh oui, Qui encore. est Au déjà en commentaire, avance. Maca. Et ça y est, il est déjà en avance, il a son sac de couchage, là, je vois. Il est déjà prêt pour le groupe 1 la semaine prochaine Ah, j'ai à repéré Melbourne. mes pneus, hein, au cas où. Hein. Ouais, Ok. ok. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et puis Allez, bonne soirée à à la prochaine. tous. Bonne soirée Allez, bye et bye, à bonne nuit. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye.